nuclear weapons disposal facility on Shadow Moses Island in Alaska's Fox Archipelago was attacked and captured by Next Generation Special Forces, being led by members of Foxhound. They're demanding that the government turn over the remains of Big Boss, and they say that if their demands are not met within 24 hours, they'll launch a nuclear weapon. You'll have two mission objectives. First, you're to rescue DARPA Chief Donald Anderson and the president of ArmsTech, Kenneth Baker. Both are being held as hostages. Secondly, you're to ça marre un coup dans le retour à gauche, coup, et là t'as le retour ici ou... Ouais, je l'entends bien là ici. Ok, c'est parfait. Toi t'as ton retour là, on est du bon côté. Ouais. Voilà, c'est vrai. Allez, encore quelques minutes. Oui, bonsoir. Voilà, encore quelques minutes. Avant de vous installer. Profitez un petit peu et puis on va voir un peu ce que ça va donner ce Metal Gear Solid. On fait sur la version intégrale, hein, parce qu'il y a quelques particularités, on en reparlera. Mais on vous laisse encore le temps de vous installer. Ah, mais le retour, c'est parfait. Là, je force pas du tout. Ah, ça a l'air nickel. Hein. De... Ouais. De là... Ça même... va, toi, c'est bon, tu forces pas. Ah, bon, je suis bien. Ok. Bon, c'est bon, j'ai ce qu'il faut, là. J'ai de la Contrex, là. Il y a la Contrex, là. J'ai de la Contrex. C'est pour faire ma soeur. C'est mieux pour perdre du poids, du coup, c'est fait. En théorie, oui. Je vais boire une eau douteuse, donc si je pars tel un Johnny dans MGS pour Eurochion, ne vous inquiétez pas. Bon, bah c'est déjà commencé. Ah, bah c'est commencé. Déjà commencé. Merci, Sled. Pissé, là. Alors, bon. Dernier run de cette journée, de cette première journée Sunfest, et on finit avec du Metal Gear Solid joué en extrême, donc conditions les plus difficiles, et sur la version intégrale. Alors on va tout de suite parler pourquoi la version intégrale. Bon, déjà, Slade est plutôt habitué à jouer sur la version US, et vous les présenter dans un événement, parce que donc on a là l'actuel recordman sur ce jeu. Et oui. Savoir, c'est lui qui a les meilleurs temps, que ce soit en All Bosses ou en Any Person, sachant que c'est un Any Person ici qu'on va voir, qu'on appelle aussi Large Skip. Et donc, pourquoi en fait la version intégrale ? Donc, parce qu'il avait déjà il avait présenté pas de run spécialement sur ce jeu, mais surtout, elle a un intérêt quand même dans le speedrunning, c'est que, de base, il faut savoir que c'est juste une autre version japonaise qui est un copier-coller de la version US, hein, notamment qui a intégré les VR missions, et aussi qui a une petite particularité, c'est qu'on peut skipper le dialogue qui est sur le Metal Gear entre Solid et Liquid, ce qui fait quand même gagner 2 minutes 40. Donc en soi, dans un speedrunning, c'est quand même assez intéressant. Après, elle a quelques petits changements, et notamment, il faut tout de suite en parler, c'est que, en fait, elle présente ce qu'on appelle l'alternate world. Donc une fois que vous avez fini le jeu, que vous avez une sauvegarde du jeu terminé, en fait, à partir de la difficulté normale, par exemple, bah, vous allez avoir une ronde des gardes différentes. Donc les gardes ne seront pas au même endroit par rapport à la version US. Donc là, en extrême, ben Seb, il a dû s'adapter pour certaines salles puisque ça ne ressemble pas en fait à la disposition des gardes qu'il aurait eu s'il avait joué sur une version US en extrême aussi. Exactement, donc là on peut constater donc que Slade attend bêtement la ligne. C'est ça, un timer. Donc voilà. Là c'est un timer. En fait on attend le monde charge qui va venir, qui va descendre avec un garde d'ailleurs, qui va comporter un garde. Et il faudra se débarrasser de ce garde et surtout pas déclencher d'alerte pour activer ce monde charge, sinon on va rester bloqué avec une alarme en bas. Exactement. Et sachant qu'en fait c'est uniquement dans la fameuse alternate route justement que les gardes sont uniquement en bas en fait de la carte. Là il y en aura normalement dans la version NTSC, si vous regardez les anciens. Ils sont autour du Slade, voilà, ils sont en train de jouer, en train de Slade troll pas mal pour s'amuser, mais
normalement ils font le tour en haut, etc. Alors que là. Alors ici, enfin, il faut faire attention, c'est qu'il y en a un dès que tu sors de la première citerne, enfin le premier tuyau sur lequel tu passes. Et celui-ci qu'il faut neutraliser, après tu passes et en effet, on traverse tout droit à côté de l'ascenseur. Là, tu peux aller pisser, prendre ton café. Ah, là, c'est bien. On va voir que c'est assez étrange hein, comme ça. Donc c'est, on verra que c'est un run avec des glitches. On va expliquer en quoi il consiste et on verra qu'il est très intéressant pour ça. Mais c'est vrai qu'il y a dans le début du run, il est long à démarrer parce qu'il y a pas mal de phases comme ça, il y a un petit peu d'action, ça se repose, un petit peu d'action et après ça va se lancer. Allez, là on distrait le garde, et oh là on passe, rien à faire. Ah oui, c'est vrai qu'il faut dire, hein. On peut applaudir. Donc là en fait, il a tapé contre le mur à un moment précis, le garde a été attiré donc sur sa droite, gauche, enfin ouais, sur la gauche du garde pour lui, mais bon, à droite de notre écran. Et donc du coup, il est parti la chercher, et Marcel était déjà passé de l'autre côté, et rentré tranquillement dans l'ascenseur. Donc en effet, on peut taper dans les murs, rappelons quand même que c'est un jeu d'action infiltration à la base, hein. Voilà, d'Hideo Kojima, sorti en 1998-99, suivant la version en fait, si c'est japonaise ou européenne. Et donc le but est d'infiltrer une base militaire, parce qu'il y a en fait une sorte de groupe de terroristes qui ont mis la main sur une arme justement nucléaire, assez particulière, hein, qui est le Metal Gear, et qui donc menace de l'utiliser s'ils ne retrouvent pas, s'ils ne récupèrent pas, en tout cas, le cadavre d'un certain Big Boss. On va pas aller plus pour l'histoire, parce que c'est pas ce qui nous intéresse ici, mais en tout cas, voilà. Alors là, une chose assez intéressante, il va utiliser une alarme, en fait, il va se faire repérer volontairement, donc là, il a pas skippé la cinématique, il est passé directement, il a passé tout droit, il passe à travers, malheureusement, il prend un shot par ce garde, donc il va passer le deuxième garde, il est en train de lancer son passer, hop, il utilise un stroke en plus, il va revenir, et il passe dans la ventilation. Alors pourquoi il a fait tout ça? On peut applaudir, même s'il a pris un petit shot, malheureusement. Alors, dans le jeu, il y a donc certaines conditions pour obtenir la meilleure note possible, qui sont des rangs. Donc quand on joue en difficulté, extrême, c'est du boss. Et donc, il faut, dans ces contraintes, tuer moins 25 ennemis, utiliser une seule ration, ne pas mourir, finir le jeu en moins de 3 heures. Et donc, et aussi, ne se faire repérer pas plus de 4 fois, donc 4 maxi. Donc là, en fait, Said s'est fait volontairement repérer une fois, en sachant qu'il y a 3 alarmes obligatoires. Donc le minimum que vous puissiez faire, c'est 3. Puisque de toute façon, le scénario vous fait repérer déjà 3 fois, que vous ne pouvez pas éviter. Donc, une quatrième va se rajouter, donc c'est-à-dire qu'à partir de ce moment, s'il veut obtenir le meilleur rang, il n'a plus le droit de se faire repérer. Il va bien sûr essayer, hein, mais bien sûr en live c'est très difficile, on verra notamment pourquoi, notamment dans l'utilisation des glitches et le fait d'utiliser qu'une seule ration, ce qui rend ça relativement difficile. Donc là, une phase où on va aller en conduit d'aération, on va gagner donc le hangar, donc il va avoir un garde qui va arriver directement, ce qui n'est pas qu'à la version US, en fait on est obligé de le détourner, il est derrière le tank, ici il est là, hop, on le projette tranquillement, donc là un stroke cancel, je vais revenir plus vite. Tu vas nous expliquer, Wadek, qu'est-ce que le saut cancel? Alors en fait, normalement, si on projette un garde, donc une prise de judo par-dessus son épaule, donc en appuyant juste sur le carré en avançant. Ah, très bonne information. Merci beaucoup. Je disais donc, quand Slade fait passer un garde par-dessus son épaule, en fait, là, il va se passer quelque chose d'intéressant. Attention, on reviendra dans la salle de torture. Et hop, alors là, ce qui s'est passé, il est sorti des limites du jeu, il fait le tour de cette salle des cellules. Hop, qu'est-ce qui se passe? On sait plus où est Snake. Attention, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Oui. Bim, alors où c'est qu'il est? On comprend mal là. On est où? À poil. Et hop, dans la salle de torture. Alors, voilà. Alors pour ceux qui n'auraient jamais fait le jeu, ça n'arrive absolument pas à ce moment-là. On est censé normalement aller voir le chef du DARPA, avoir une discussion avec lui, rencontrer au passage Meryl, aller se battre contre Revolver Ocelot, Grey Fox, Mantis, le tank que j'ai oublié et Sniper Wolf. Donc là en fait, on vient tout simplement d'éviter, enfin en tout cas Slade vient d'éviter 5 boss. Ça s'applaudit quand même. 5 boss, voilà, qu'on ne verra jamais. Donc ne vous attendez pas à voir Psycho Mantis. Donc en effet, c'est un run avec des glitches. On va quand même expliquer ce qui s'est passé. On reviendra sur le slow cancel parce qu'on va le revoir au long du run. Alors en fait, les joueurs ont découvert que lorsqu'il y avait quelque chose au-dessus en fait, de Snake et qu'il était allongé, un bureau, un lit, conduit de ventilation, et qu'on regardait, qu'on passait en vue à la première personne, qu'on regardait en haut et qu'on se relevait très vite, et ben en fait, on peut passer à travers cet élément. Sauf que quand c'est une ventilation, comme ça correspond à un mur, et ben on est expulsé en dehors du mur. Et ce qui se passe dans cette zone, c'est que la zone des cellules, ben c'est là où on doit se rendre plus tard, où on va être enfermé, mais on n'a pas la carte d'accès de level 6 pour le moment. Il a pris d'ailleurs aucune carte d'accès pour y aller. Et donc, en étant expulsé... Ah, il demande ce qu'il doit sauver Meryl. Tu fais comme tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que on demande au public? Ouais, allez, vas-y. Allez, public, ils sauvent Meryl ou pas? Oh, ah bah voilà, non, quel merci meurtre. Public, merci public. Alors ça l'arrange, je vais vous expliquer vous pourquoi, parce qu'il y a des petites particularités. Alors là, il a fait... Ah. Ok, donc là, il s'est fait repérer.
ça c'est volontaire. En fait, là je vais juste revenir à ça, il a fait ça uniquement pour couper en fait 45 secondes. Parce que Johnny est censé s'endormir quand il va dans le coin à droite. En s'étant fait repérer à cet endroit, eh bien, ça coupe cette animation et ça fait gagner 45 secondes. Donc c'est quelque chose qui a été découvert très récemment, début 2014. Et c'est vrai que c'est intéressant. Donc pour revenir à l'explication, donc, tout à l'heure, on est donc, sur Lutin, on s'amuse, si on fait n'importe quoi, le tourniquet. Lutin, si tu nous regardes. D'accord, bah très bien. Nous ne sauverons pas Meryl et ça arrange Slade, qui donc n'aura pas à faire du machine button comme un taré. Pourquoi ? Donc quand il a fait ses TOB, qu'il a pu atteindre donc une zone qui a déclenché l'accès directement à la scène de torture qui est derrière la porte. En fait, il a accédé tout à l'heure, parce que c'est par là où il est passé, même si on n'a pas vu à cause du radar. Ben en fait, il y a un petit inconvénient. Ok, on a évité 5 boss, mais si vous vous souvenez, à chaque fois qu'on battait un boss, ben la barre de vie augmentait. Je sais pas si tu t'en souviens. Oui, très bien, très bien. Et en fait, le souci, c'est que ben là, pour faire la scène de torture, du coup, vous avez une barre de vie plus petite que celle que vous devriez avoir si vous avez fait le jeu correctement. Enfin, normalement, on va dire. Donc, résister à la scène de torture, eh ben, ça demande... Alors déjà, en extrême, il y a plus de séances de torture. Et en plus, vous avez une barre de vie plus petite, donc ça demande un mashing button assez intense. La torture va s'arrêter comme je l'ai I'll take the woman in return. Et donc on verra qu'il y a d'autres petites contraintes à avoir skippé 5 boss parce qu'en effet ils vous font augmenter votre barre de vie mais aussi conditionne le nombre de munitions que vous pouvez porter et on verra que quand on va prendre certaines armes il va se passer des choses un petit peu louches. Alors tu peux revenir à ton explication du throw cancel, hein, désolé, c'est vrai que là, là t'as un petit peu le temps à la fin de la scène de la torture. Y a pas de mal, y a pas de mal. Donc je disais quand Slade fait donc passer les gardes par-dessus son épaule, en fait il y a toute l'animation du moment où en fait, il va prendre le garde, il va le lancer, et donc il se remet debout en fait, il va perdre, je pense, aux alentours d'une seconde en fait. Ah, ouais. Et on peut cancel l'animation en rééquipant, donc en appuyant sur R1 si je fais pas de bêtises, sur par un objet, en fait ça cancel la fin de l'animation, si bien qu'en fait il va juste prendre le garde, le balancer et hop il va reprendre l'arme et il va pouvoir continuer d'avancer. Ce qui fait plusieurs endroits gagner énormément de temps. Ouais, voilà, donc en fait, il faut dire aussi que si on a une arme équipée, un piétinement testiculaire, un magnifique geste technique. Allez, le marche littéralement sur les couilles. Hein. Oh là là. Donc voilà, il va attendre tranquillement au tacon. Alors, ce que peut dire aussi sur le throw cancel et quelque chose qui en découle, c'est qu'en effet, tu disais te rééquiper. Alors, on peut faire le throw cancel en fait en appuyant sur le bouton carré, mais si vous avez une arme, vous allez utiliser l'arme. Donc, c'est le même bouton en fait, parce qu'il faut faire carré près d'un ennemi et arriver en avançant. Parce que sinon, si vous vous arrêtez et que vous rentrez pas de direction, vous appuyez sur carré, vous étranglez en fait l'ennemi. Donc, voilà. Donc en fait souvent on a une arme d'équipée, notamment on verra beaucoup l'utilisation des grenades qui vont être tout le temps équipées. Pourquoi ? Parce qu'en fait au final ça fait gagner un petit peu de temps, alors pas visiblement, parce que c'est l'ordre de la frame, mais en effet quand vous avez une grenade d'équipée, que ça soit stun, grenade classique, à l'exception en fait on va dire du C4 et des claymores, mais quand notamment ça marche bien avec les grenades, en fait vous gagnez comme ça frame par frame et donc sur tout un run qui dure d'une heure, bah vous gagnez un petit peu de temps. Donc c'est pour ça que vous verrez à chaque fois Slade quand il y aura une transition où l'arme n'est pas rééquipée, c'est rééquipé tout de suite pour justement pas perdre de temps et utiliser le throw cancel, donc comme tu disais rééquiper une arme une fois qu'on a déclenché une projection. Voilà, donc là Otacon hein, qui vient. Alors Otacon quand même c'est assez intéressant parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé des différences entre la version extrême et la version normale. Mais notamment une des différences c'est qu'on ne peut porter qu'une ration et qu'on en trouve très peu dans le jeu, on n'en trouve pas au sol en fait, on peut les obtenir sur des gardes. Mais en fait encore, là Otacon vient de nous importer une. C'est une des seules que Slade va avoir. Bon, il a bien sûr une backup strap, il faut en chercher une autre. Donc là il nous apporte ça, la carte de level 6 et du ketchup pour nous enfuir. Ça c'est plutôt cool parce que là on peut vraiment embêter Johnny. Alors Johnny au passage vous avez remarqué qu'il y a une chiasse monumentale, donc il est parti boucher toutes les chiottes là, donc on va attendre qu'il revienne. Et on essaie de le duper en faisant croire qu'on est mort, en mettant du ketchup par terre. Et là, il ouvre la porte. Hop, on se relève et on va donc là uniquement le stun en fait. Hein, voilà, on voit. Donc là, il a en fait, il a fait un début d'étranglement, mais il n'a pas été jusqu'au bout. Il n'a pas fait le compte. Alors je crois que c'est 10 pour le tuer et donc seulement 9 pour l'assommer. Ça, c'est plus rapide. Voilà, c'est un peu plus rapide en fait, parce que sinon vous avez une animation où vous le tuez et donc ça fait perdre un petit peu de temps. Il tombe complètement au sol, il le couche par terre littéralement. Alors, c'est quand il l'étrangle, il se couche pas entièrement. C'est classe de pas tuer Johnny pour le time paradox des d'après. C'est bien dommage d'ailleurs qu'il n'y ait pas le time paradox. Voilà. Donc là, on a vu, donc il s'est tout de suite équipé de la chaff, hein, donc des grenades qui ont la propriété de lancer une sorte de petites palettes magnétiques qui vont brouiller les caméras, les gun caméras, ils sont les ennemis. Et le radar aussi. Et le radar. Et les radios. Voilà, donc là on va taper parce qu'il y a un ennemi pour l'attirer, on va foncer très vite aller chercher donc dans cette salle le sniper, ouais, le PSG-1, et vous allez voir il est rouge, alors là au passage il y a quand même des, il y a des faut dire, il y a des lasers, il n'en a rien à foutre, ça, il passe au milieu, voilà, et là, vous avez peut-être vu qu'il va sortir très vite, et là tout va bien se passer,
toujours. Voilà, parfait. Impeccable. Pas de problème. Et c'est vrai que dans la version intégrale, c'est peut-être même. Bon, il faut aller quand même très vite pour aller chercher PSG1, mais c'est un petit peu plus simple parce qu'il y a moins de gardes à éviter puisqu'ils sont de l'autre côté. Donc on détourne leur attention et ça se passe plutôt bien. Oui, alors donc, vous avez vu que le sniper est apparu en rouge. Parce que je vous disais que le fait d'affronter les boss vous donnait pas que de la vie supplémentaire, mais aussi un nombre de munitions que vous pouvez porter. Et en fait, là, c'est ce qui se passe. En fait, il a pris le sniper, mais techniquement, on ne peut pas mettre de munitions dedans tant qu'il ne sera pas rentré dans la salle de Psycho Mantis. C'est ça. Donc pour le moment, en fait, il a bien le PSJ-1 dans son inventaire. Là, c'est pareil, on passe au milieu des clés morts, aucun respect, encore foutre, une allez. Fois. Une belle diagonale, on peut applaudir, ça passe tranquillement. Caméras, hop, vas-y. Allez, allez, un peu d'encouragement pour Slane, même s'il y a de voir qu'il y a des choses beaucoup plus intéressantes qui vont arriver. Mais là, faut passer, faut pas oublier qu'il y a des clés morts quand même, et là, on fait une petite diagonale et ça passe bien. Donc là, normalement, on est censé affronter le tank. Pas non. Qui est déjà détruit. Hein, voilà, il est tellement fort détruit. Que le tank s'est suicidé tout seul. Et là, on obtient donc l'upgrade qu'on obtiendra une fois d'affronter le tank. Mais ça ne permet toujours pas de pouvoir mettre des munitions dans le sniper. Alors là, on se déplace, on utilise pas mal de diagonales en optimisant ses déplacements au stick. Hein, on voit ça parce que sinon, avec le D-pad, on fait des diagonales vraiment très prononcées. C'est ça. Qui fait qu'on peut pas vraiment doser. Alors là, une salle aussi qui va être un petit peu étrange. Normalement, on n'a pas le droit d'utiliser du tout d'armement parce que sinon, des gaz sont lâchés, on se retrouve tout de suite bloqué. Là, il va attirer. Voilà, on va revenir sur cette technique. Voilà. Là, un garde va le remarquer à ce moment. Donc là, il va partir au milieu de cette petite passerelle. Pendant ce temps, Slade fait le tour avec son snake, pas de problème. On voit le garde qui est passé sur la droite. Ok, celui-là, on attend que ça vienne remonter, se cancel, hop, et on va aller appeler l'ascenseur. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur la passerelle du bas? En fait, quand vous courez et que vous marchez sur des passerelles métalliques, notamment là, c'est bien le cas, vous faites quand même pas mal de bruit. Ouais. Et en fait, en équipant et déséquipant très vite une arme, eh bien, vous cancellez la foulée. Donc, on n'entend plus, en fait. Et ce qu'a fait Slade, c'est qu'il l'a fait juste avant, quand il est passé au milieu de cette passerelle, eh bien, il a fait du bruit et le garde a été attiré. Là, c'est pareil, il faut se dépêcher de tout prendre parce qu'il y a un garde, en fait, qui arrive. Prendre la salle, donc là on a juste le temps de passer, de prendre tout ce qu'on a à prendre, notamment le Nikita qui sera très utile, contrairement contre Raven. Et on arrive dans la salle de Mantis. Voilà, donc là pareil, qu'est-ce qui se passe? Donc pas de Mantis, puisque pour le jeu on l'a déjà affronté, voilà. Mais il va se passer d'autres choses, donc là il va se rééquiper tout de suite de sa grenade chaff, voilà, pour pas perdre de temps, hop, petite diagonale, et là. On là, passe à ça travers. C'est fermé. Ah bah non, rien à foutre. On passe complètement à travers. Alors pourquoi? Voilà, on peut applaudir. Même si le plus dur va vraiment arriver encore jusqu'ici. Alors si, il a une phase assez intéressante, il va pas s'équiper du bandeau de Sniper Wolf, donc il va directement utiliser là un petit OB, encore une fois on passe dessous, parce que ça va plus vite que passer le pas, franchement on a rien à foutre. Bim, aucun respect, coup de poing sur le loup. Sur le dos. Voilà, parce que en fait là il n'a pas mis le bandeau de Sniper Wolf, donc il n'est pas l'ami des loups. Et donc il a été très vite avec un timing assez intéressant, c'est pour ça que notamment il rentrait pas par la caverne, il arrive pile poil devant ce loup, petit coup de poing en appuyant sur rond. Ça permet comme ça de se débarrasser dessous et on continue sa trajectoire. Mais ça demande quand même une exécution assez précise, un timing bien bien rodé. Et la dernière, il a failli se manger le loup quand même. Oui, oui, c'est vrai que chaud. C'était juste et puis il avait du mal à trouver le passage. Surtout qu'en plus quand tu fais le OB, ça fait bugger. Ça fait bugger la caverne et du coup les collisions sont assez bizarres et t'as du mal à te repérer parce que c'est beaucoup plus sombre. Ouais. Les textures au sol qui disparaissent. C'est beaucoup plus sombre. C'est beaucoup plus chiant. Donc là normalement pas contre Cyborg. Mais et juste pour expliquer ce qui s'est passé dans la salle de Mantis, donc en fait le jeu fait un peu un paradoxe, c'est un mix en fait des deux états de salle. Il présente la salle comme si c'était la première fois qu'on y allait sans Mantis, mais en fait il cherche pas en fait il y a la texture mais il y a pas les collisions, du coup on peut passer à travers la bibliothèque parce qu'on considère qu'on a battu Mantis. Voilà. Ça c'est marrant, on verra qu'il y a d'autres petits détails comme ça. Bon là il y a une gun caméra, on en a rien à fiche, hein, ça déclenche pas une alarme en tant que telle, c'est juste elle nous tire dessus. Allez, là, une phase qui va être assez rotor, et là, on va voir tout le skill. Et non, il passe au stun, voilà. De les grenades aveuglantes. Stun, donc là, qui vont aveugler et qui va être utile parce qu'on va tuer le moins d'ennemis possible, on va tout faire à stun. Là, on va skipper une cinématique, on va faire un stun dans la salle à travers, voilà. Exactement. Comme ça, ça déclenche pas l'arrivée des gardes. Ça, il a tout de suite foncé, il a pris la corde qui lui sera très utile pour la descente de la Comtawara. Et là, on va monter et on va tout faire, en fait, à la grenade et au slow cancel. Donc, tous les ennemis vont neutraliser comme ça. Sachant que c'est très bizarre dans la version intégrale parce que si on respecte pas certains timings, on le verra à certains endroits, on peut avoir pas de garde ou avoir un garde supplémentaire. Ouais. Ce qui va pas mal modifier votre gestion de la Comtawara. Allez, là pour moi c'est bien parti. Donc là, on va arriver où il y a un garde. Voilà, il prend la trajectoire parfaitement au milieu, ce qui fait qu'il ne tire pas dessus. Throw cancel, parfait, il a pris aucun impact. Et ça se passe bien. Attention, là on va lancer. Donc voilà, ça stun. Ça va stunner les deux ennemis qui sont juste derrière. Là on va bien frôler les rambardes. Alors pareil, hein, croyez-moi qu'il faut avoir une petite habitude entre l'inertie de Snake et les virages à prendre dans la Comtawara. Il faut pas coller du tout parce que ce qu'on n'a pas répété, ce qu'on n'a pas dit, pardon, c'est que quand on colle en fait un rebord notre propos, on se colle complètement après le mur. Si on rentre une direction à l'encontre du mur, on va coller le mur et du coup ça nous ralentit. Et là on n'a pas le temps parce qu'il y a des gardes qui nous courent après. Elle a assez bien géré, parfait, la ligne droite, on est pas touché, on lance directement la stun qui va neutraliser ces deux ennemis là, ça passe nickel, parfait, le timing, il est pas du tout arrêté,
magnifique. Alors c'est là maintenant qu'il faut savoir ce qui se passe, est-ce qu'il est dans le bon timing. Là il va timer pour l'arrivée d'un garde. Il attend. Parfait, il arrive, donc c'est bon. Il est dans... Oh, là, oh, par contre, il s'est fait une petite prière. Il s'est fait une petite prière, ouais, il a pris, il s'en est bien sorti. Mais c'est normal, il a dû le prendre dans la diagonale en arrivant dans la Com Tower, dans l'escalier. Et là, c'est pas ce qui s'est passé, il est revenu derrière, il a passé, mais c'est pas de soucis. Très bien géré, donc là, il est dans le bon timing. Il y a un garde qui va le repérer ici. Il va avoir un garde face à l'escalier, mais au escalier suivant. Donc là, il va se déséquiper de sa stun et le projeter. Bim, pas de problème. Ah, il a pas fait le strike sur le deuxième garde, mais ça devrait passer. Ce qui va réussir. De l'autre, il va pas réussir à le rattraper. Ah, il va être juste derrière lui quand même. Non, c'est bon. Malheureusement. Petite imprécision, mais croyez-moi là, pour diriger, en fait avec le changement de plan de caméra, on a vraiment du mal. Allez, on peut applaudir Slade, même s'il y a eu quelques accros. Dans l'ensemble, c'était une bonne Com Tower A parce qu'il n'a pas eu de problème de timing et de gestion de garde. Mais ne serait-ce que pour se diriger là, avec le changement de caméra, on fait vite de rentrer dans un poteau en fait. On s'en rend pas compte. Mais c'est incroyable. Voilà, donc là on skip la cinématique, on s'équipe de la corde dans l'escalier très certainement. Voilà, les petites optimisations des directions, comme on rentre à la direction gauche. Et quand on va aller dans le bonus, ça fait gauche aussi. On se met assez puissant pour s'équiper directement de la corde. Et là, la descente en rappel, qui est très importante. Alors, parce qu'il faut gérer sa vie, on y reviendra pour après, parce que les glitches qu'il a utilisés vont demander de la vie. Et cette descente, et c'est l'horreur. Parce qu'en fait, en soi, Slade, c'est exactement où il veut passer. Mais c'est ça le problème, il sait où il veut passer. Ouais, voilà. La maniabilité ici, elle est, je ne sais pas. Je sais pas ce qui s'est passé. Et du coup, quand tu essaies de faire une diagonale, il faut avoir le bon timing, et puis au bon moment, avoir la bonne direction, avoir le bon élan sur ta corde, et t'orienter, c'est extrêmement dur. Donc en fait, ici, il faut expliquer comment ça se passe. Donc on a des jets de vapeur, et en fait, on est en plus trollé par des tirs de la NTD, qui est piloté par le boss du jeu. Voilà, donc là, une descente, on s'oriente à gauche, bien passé, on évite le premier jet de vapeur, on passe sur celui-là, il faut avoir un bon timing, parce que sinon, vous avez toutes les chances, vous n'avez pas assez de vitesse, de prendre la rafale de tir, là, ça passe bien. Bon départ, là, pour le moment, on n'a pas touché les jets de vapeur. C'est bon, on a bien géré cette première phase, on rebondit. Alors là, est-ce qu'il va avoir assez de vitesse pour passer au-dessus? Attention, il va partir sur la droite, il va... Il va timer, c'est pas grave, là il va timer pour pas prendre la rafale, c'est impeccable. Bon, impeccable. C'est bon, elle est bien. Bravo, allez, on peut l'applaudir, bonne descente en rappel de Slade, croyez-moi, c'est pas évident à gérer ça. Et là aussi un autre moment qui est dur, le walk away, trois gardes en fait vous attendent de l'autre côté de cette passerelle et on va gérer Matrix. Ça avec... Il va passer à travers les balles. Voilà, c'est ça, on va gérer ça avec deux stuns. Allez hop, première stun qui est lancée, décalée pour les faire tirer. Ah, malheureusement, alors qu'est-ce qu'il va faire là? Il va se fuser parce qu'on n'a pas le choix en fait. On a qu'une option pour le timing et c'est un endroit qui est très dur dans les runs. Hein, pour moi-même runner ce jeu, c'est un endroit où on se fait très vite avoir. Peut-être qu'il y a vraiment un timing précis à avoir, donc on se repère au son, on lance sa stun à une position précise et on va se décaler quand on va attendre le son des mitrailleurs. En fait, de l'autre côté, il y a trois gardes qui nous tirent dessus. Il faut créer le décalage suffisant pour que ça passe. Parfait, la dégâts. Non, il a pris un tir. On a vu qu'il y avait un garde qui était décalé qui a eu le temps de tirer sur la stun. Alors, il va quand même tenter. Oh là, c'est. Non, ça passera pas. Allez, on encourage Slade là, malheureusement. Allez, Slade. Ah, c'est un passage qui est très difficile. Ça, c'est un run killer d'une force, le walk away. Ouais, le pire, c'est que d'habitude, il le passe bien. C'est ça. Mais moi, c'est vrai que j'ai pas du tout la même façon de faire. Et que là, c'est un petit peu stress. Peut-être le son, le décalage du son, c'est tellement important. Deuxième stun. Allez, là, c'est bon. C'est passé. Alors, normalement, il y a la deuxième stun. Voilà, il faut bien lancer la deuxième stun au bon moment parce que quand ils vont troller, ils écartent bien. Bim. Voilà, ils sont tous stunnés et c'est enfin passé. Et là, il chope le Stinger. Voilà, mais... et le Stinger en rouge parce qu'on peut pas mettre de munitions. Et là, on va commencer à expliquer ce qui va se passer parce que ça va être très compliqué là, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu depuis longtemps. On rentre dans la Com Tower B, comme ça. Alors qu'ici, on est obligé d'aller constater que l'escalier est cassé, pas en allant directement sur la droite. Parce que si on va devant l'ascenseur, en fait, des caisses nous obstruent le chemin. Voilà, c'est ça. Donc là, ce qu'on va faire, on va aller constater. Donc, petite save, ça c'est normal, c'est le live pour éviter tout problème. On va comprendre, vous allez comprendre pourquoi. Donc il va faire un glitch. Pour essayer de faire simple, il va essayer de rendre l'état initial de cette Com Tower B, donc c'est-à-dire comme s'il y avait toutes les caisses devant l'ascenseur, mais en rentrant par le haut de cette Com Tower B. Alors ici, on va utiliser ce qu'on appelle le Weapon Glitch, c'est-à-dire faire croire au jeu qu'on a une arme d'équiper alors qu'on a une autre en main. C'est-à-dire que il va courir avec les chefs ici, il va aller jusqu'en bas, voilà, on constate que l'escalier est cassé, on va remonter, on va s'équiper du C4, on va s'allonger sur le sol, prendre volontairement un dégât avec le C4, on s'équipe vite fait des chefs juste avant, on s'allonge, on prend un petit dégât, on fait du machine button, on se relève, non, on s'équipe du Stinger, ça marche, on peut applaudir. Impeccable, bravo Slade. Slade qui réussit ça sans problème. Alors que croyez-moi, il y a une petite part de random, c'est du machine button, on pense que c'est frame perfect, mais des fois on se demande vraiment si on connaît toutes les conditions de ce glitch. Donc là, qu'est-ce qui se passe? En fait, Snake il court pour le jeu avec le Stinger, sauf que quand on équipe le Stinger, on passe à la vue à la première personne. Et là, il est comme s'il avait une grenade à la main. Il va prendre un dégât avec cette grenade qui vient de dégoupiller dans sa main. Bim.
Et là, il vient de faire disparaître le Stinger de son inventaire. Ce qui fait qu'il va skipper une cinématique, passer devant les caisses. Alors là, il y a quand même des caisses qui sont hissées sur la gauche, même si vous les avez pas vues. Il y a quand même, elles sont invisibles en termes de texture, mais leurs collisions sont bien là, donc c'est pour ça qu'il a fait un léger détour sur la droite. Et là, il faut faire attention parce que la shaft qui est lancée, elle n'est pas lancée n'importe comment, elle est lancée à un moment précis pour neutraliser la première gun camera. Ensuite, on va neutraliser, on va dire plus traditionnellement, à la shaft, les autres gun camera, sachant qu'il y en a une, deux, trois et quatre pour terminer, et on va sortir de la Com Tower B. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va juste sortir de la Com Tower B parce que normalement, dans le scénario du jour, on est censé monter, aller affronter l'hélicoptère qui est piloté par Liquid et redescendre. Otacon a réparé l'ascenseur. Là, on a skippé la cinématique, donc on sait plus du tout ce qui se passe. Et du coup, vous prenez l'ascenseur et voilà. Et vous allez affronter Sniper Wolf 2. Mais là, c'est pas ce qui va se passer. Il va juste sortir de la Com Tower B et re-rentrer. Et pourquoi il fait ça? Parce qu'il n'a plus le Stinger dans son inventaire. Et le fait de ne pas avoir le Stinger et de re-rentrer dans la Com Tower B, ça réinitialise l'état de la Com Tower B et donc ça remet les caisses devant l'ascenseur. Sauf que vous, vous arrivez par le haut et ça, ça va avoir une importance. Je vais vous laisser découvrir la surprise quand Slade va arriver. Donc là, voilà, on sort de la Com Tower B, on re-rentre. On équipe les grenades, oui, si tu veux en parler, vas-y. Pour la classe, juste pour pouvoir détruire toutes les caméras avec les grenades. C'est pas pour la classe, c'est parce que dans le chemin, on n'a plus assez de chaff. Et donc, comme on a des grenades qui ont été prendre exprès sur le tank, on va faire ça avec la classe, comme tu dis, en lançant de façon très timée. Hein. C'est hardcore aussi, ça. Ah, ça se fait quand même. C'est pas un truc plus dur, mais c'est vrai que c'est sympa. Le problème, c'est que si tu la time mal... T'as quand même là, Il est obligé. Alors, ce qu'il fait en fait pour éviter ça, parce que dans la version intégrale c'est assez chiant, je sais pas pourquoi la dernière disparaît pas, ouais, tu vas contre le mur en fait. D'accord. Sinon, la dernière te repère toujours, parce que même si elles sont mortes, elles peuvent avoir le temps de tirer dessus. Donc là, on se décale. Et à partir de celle-ci là, donc là, celle-là elle est passée, normalement il va pas se décaler parce qu'il y a plus besoin, le lancer de grenade passe nickel, elles seront complètement détruites quand il va passer, il peut serrer complètement à gauche. Voilà, bim! Allez, rien à faire des caméras. C'est vrai que c'est stylé hein, cette descente comme ça, c'est très plaisant à faire ça. J'aime beaucoup ce passage. Il faut bien coller à gauche aussi pour gagner un peu de temps dans les escaliers. Ouais, en effet, mais voilà, donc là on détruit la dernière, on va s'équiper des chaînes. Il a raté. Ouais, comme quoi, ça, je pense qu'il doit avoir des petits soucis de son, peut-être qu'il y a des décalages, il entend le son de la scène. C'est typiquement une petite erreur qu'on fait quand on a un son. Le timing là. Voilà, alors, on est obligé de remonter. Voilà, là est parfait, on va s'équiper des chaffes. Et là, vous allez voir, je vais vous faire regarder. Et là, les caisses. Je pense que ça mérite le silence. Et voilà, bravo! On est en bas de la Com Tower B. Et là, on n'a pas affronté la Infusie. Sixième boss d'esquivé. Voilà. Et c'est pas fini. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Donc voilà, on a vu que les caisses étaient présentes. Et quand on se tient à un endroit précis, alors on a essayé de passer du premier coup, en sachant que ça passe mieux quand on n'a pas la stance avec une arme équipée. Ça. Mais voilà, il faut avoir un endroit précis. On monte sur les caisses, il faut pas donner de direction, ensuite on tombe, on lance la chaffe. Et on arrive à tomber comme ça tout en bas de cette Com Tower B. La chaffe permet de neutraliser les deux gun caméra qui sont dans le petit couloir. C'est ça. Allez, maintenant on va essayer de se battre contre Sniper Wolf 2. Alors un boss qui est très chiant hein, quand on doit l'affronter. Il faut la déloger. Donc c'est une. Stinger, Onikita, ouais, voilà. Donc, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le jeu, en fait, voilà, c'est une tireuse d'élite parce que c'est une femme qu'on a déjà rencontrée. D'ailleurs, la première scène, bah, c'est là que c'est elle qui nous amène à la scène des Orphiens. En fait, c'est suite à l'affrontement. Donc là, il a fait encore un truc louche. Il pose le C4. Est-ce que ça a passé? On se relève. Oh, magnifique. Oh là là, les deux weapon glitch qui passent du premier coup, c'est quand même bien. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, comme tout à l'heure, weapon glitch, on prend un dégât au sol, on fait du machine button, on dupe le jeu. Donc, le jeu pense qu'on a le PSJ1 d'équipé qui est le sniper. Donc, normalement, on devrait s'allonger et passer en vie à la première personne. Sauf que grâce à ce glitch, on continue à courir comme si on avait une grenade à la main. Exactement. Et en fait, on passe en trigger. Voilà, en fait, on arrive à accéder à une zone qui déclenche la fin de combat parce que pour le jeu, si vous êtes là avec le certainement avec le sniper, c'est que vous avez battu Sniper Wolf parce que sinon vous êtes censé vous faire allumer. Vous pouvez pas aller aussi loin avec le sniper, vous rampez, vous avancez pas. Alors, seul petit problème d'avoir utilisé tous ces glitches, notamment d'avoir skippé Line to D, donc d'avoir fait disparaître le Stinger de son inventaire, c'est qu'il faut aller le rechercher. Et voilà. Alors, petit passage là, c'est un marrant. Petit ouais, ce petit ascenseur est un petit peu glitché, il met plus de temps à s'activer pour avoir la touche 9 là. Quand on rentre dedans et qu'on fait haut, on a beau bourriner, faut attendre un petit peu et si on appuie trop tôt, on reste au même étage et du coup on est obligé de repasser en face pour pouvoir activer le pupitre de commande de cet ascenseur. Donc là on va rechercher le Stinger à l'entrée de la Com Tower B comme tout à l'heure quand on sortait du Walkaway. Ouais, qui est toujours pas actif d'ailleurs. Donc il sera actif une fois qu'on aura battu Raven. Voilà. Qui va être un boss qu'on va affronter. Donc au final, on va affronter trois boss dans ce run, maintenant on peut le dire. D'ailleurs, le même. On en a skippé 7. Le premier qu'on affronte d'ailleurs. Raven. Oui, c'est le premier. C'est vraiment le premier qu'on affronte en effet. Donc là, voilà, on va finir tranquillement le CD2. Cette va retraverser le snowfield pour se diriger vers le Blast Furnace.
Alors c'est vrai qu'il y a des petites choses en termes d'optimisation, on peut expliquer, il y a des techniques quand même assez poussées. Il faut connaître par exemple, alors non, vous n'avez pas aperçu, mais chaque côté d'ouverture de porte. Parce que ça fait gagner du temps, parce que sinon, ce qui se passe c'est que quand vous arrivez, que si vous arrivez du mauvais côté, vous voyez c'est des portes qui s'ouvrent comme ça là en fait. Et donc si vous arrivez du mauvais côté, ben, y a un petit temps en fait où Snake rentre et s'arrête. Et ça, ça vous perd du temps. Donc il faut connaître par cœur de quel côté, si c'est à droite ou à gauche que ça s'ouvre, pour optimiser votre petit temps. Ça paraît rien en soi, hein, mais ça fait gagner comme ça petit à petit des secondes. Pareillement pour les appels d'ascenseur, toujours de l'appeler deux fois. En effet. La deuxième fois que vous appuyez sur le bouton, automatiquement il sera là. Voilà. Alors, même sachant... si le son de l'ascenseur fait que l'ascenseur est en train de descendre, Voilà, et là c'est déjà le CD2, on n'a même pas 30 minutes, le CD2, on est bien. Ça, c'est tranquille, hein, ce run. Et c'est vrai que oui, en effet, il y a des petites choses comme ça qui sont intéressantes. Et d'ailleurs, ce qui est assez marrant, c'est que sur les ascenseurs, vous pouvez les avoir en first try. C'est-à-dire que vous arrivez, vous appuyez, il est tout de suite là. Ouais, et apparemment, d'après les tasseurs, ça dépend de la position et du moment où tu appuies. C'est assez précis, en fait. C'est just frame. C'est vraiment just frame. Tim le disait dans son tas, justement, c'est vraiment pour le timing et c'est extrêmement rare. Le Blast Furnace, alors notamment un endroit qui a posé beaucoup de problèmes quand Slade a travaillé dans la version intégrale, parce qu'il y a des gardes en plus, notamment il y a un garde ici qui sont attendus pour neutraliser, parfait, ça c'est fait. Et là il y a deux gardes de l'autre côté, donc là il va les sniper. Un seul normalement. Il va sniper qu'un seul, d'accord. Il me semble. Il va en faire qu'un seul là. Okay. Non. Ah oui, c'est non, non, il va faire les deux, je pense. Il a la ration. Il veut pas, il a pas besoin, il a une ration, toutes les glitches sont bien passées. Donc là, on snipe les deux. Si c'est bon, il a eu. Voilà. Les deux gardes sont snipés. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui est très embêtant et la grue va être pas. Non, elle repart. Bon, Troll Crane. Alors ça, il faut dire que la grue, bah, c'est un problème. Hein. C'est un des rares éléments RNG du jeu. Tout le reste est assez stable. Et la grue, bah, vous arrivez des fois, alors d'autant plus ça vous perdez un petit peu de temps, mais vous arrivez, elle s'arrête juste au bout. Elle vous balance le sel à la gueule. Et ça, c'est des run killers. Voilà, c'est des speedrun killers, parce que c'est vrai que ça tue pas le run en soi, parce que tu peux encore gagner du temps ailleurs, on va dire sur l'aura par exemple, mais c'est vrai que ça fait perdre énormément de temps. Donc là, il est tranquille parce que du coup, il a déblayé, donc pas de garde. Et on va arriver à un autre endroit difficile, c'est pour ça qu'il s'équipe d'une ration. Petit passage, remarque au passage, il va ressortir tout de suite de cette salle pour activer l'ascenseur, parce que sinon, on est obligé d'attendre que le cargo élévateur soit en place, donc ça va plus vite en fait de rentrer dans cette salle et de ressortir que de rester dans la salle et d'attendre qu'il est monté. Donc là, cargo élévateur, phase critique, alarme obligatoire, on va être entouré de 3 gardes sur une plateforme, et là vous allez voir, je pense que ça va se passer de commentaires tellement ça va être violent aussi. Donc le but est d'essayer de ne pas passer plus d'une ration, donc ici on va utiliser une seule ration quand on vise le meilleur rank. Ah, malheureusement, elle est passée. Allez, là, celui-là, c'est bon, il est passé. Donc, on essaie de les projeter, on essaie de pas les tuer. Ah, vous inquiétez pas, passé. Allez, bim, voilà, on va les sangler. Par contre, on va les tirer dessus. Non, c'est bon. Ah, quand même, il a réussi à bien rattraper ça. Parce qu'il a pas eu le temps de le tirer dessus, le garde. Hein. Ouais, on peut applaudir Slade. Même si malheureusement, il a raté son premier garde. Alors, en fait, c'est un peu vicieux en plus à cet endroit. On en a pas parlé, mais il y a des cinématiques à skipper. Et en fait, celle-ci est très chiante à skipper. Parce que si tu la skippes trop tôt, comme c'est le même bouton que c'est le bouton croix, tu te retrouves allongé parce que tu rentres une direction à ce moment-là. Là, on va faire juste attention, mais normalement, on n'a pas de problème, il esquive, voilà. Donc là, traditionnellement, il y a une gun caméra, on avance en lançant sa chaffe, et si la gun caméra nous repère, on se rabat automatiquement et on prendra pas de tir. Si on a de la chance, elle est de l'autre côté, on passe. Et donc, sans cargo élévateur, quand vous skippez les cinématiques, du coup, il faut faire attention parce que vous risquez de vous retrouver couché. Donc, ce qu'il faut faire ici en règle générale, enfin, moi, c'est ce que je fais, c'est que je compte pour être sûr de skipper la cinématique proprement et de démarrer. Et après, on essaye donc de s'orienter tout de suite vers le bas, de neutraliser le premier garde, de courir dessus, de le projeter, donc, comme ce qu'on le disait tout à l'heure, à l'aide de carrés, s'équiper dessus de la grenade pour faire un saut cancel, et ensuite essayer de projeter deux autres. Mais le timing est très précis, et si vous faites toucher qu'une seule fois, bah, vous allez vous faire toucher par tous les autres. C'est-à-dire, si vous êtes touché par le premier garde, par exemple, ça va être en chaîne, réaction domino, vous allez toucher par le deuxième, ensuite par le troisième. Donc c'est un passage qui est vraiment critique, parce que quand vous n'avez pas utilisé de ration jusqu'ici, que vous visez le meilleur rank, je rappelle, vous n'avez qu'une seule ration, en fait, si vous visez le boss rank, eh bien, il faut que le cargo élévateur se passe en une seule ration. Donc, que vous ne passiez rien. Et en sachant que derrière, il faut un petit peu survivre, avoir un tout petit chouïa de vie pour aller affronter Raven. Ah, Raven aussi, qui va un petit peu se faire normalement vilipender, on pourrait dire. Il va prendre assez cher. Alors, c'est vrai que c'est, Raven est assez. Alors voilà, c'est un mec qui court avec une grosse guetterie, torse nu, un petit peu un Shiryu, bonheur des chevaliers du Zodiac, toujours torse nu. Bah, on verra de toute façon s'il y a des choses torse nu qui se passent dans ce jeu. Et c'est vrai que voilà, il va se mettre à tirer partout, mais il est un petit peu bizarre quand même. On va voir qu'on va pouvoir un peu le manipuler. Alors là, donc on s'équipe dans la salle juste avant du Nikita. On peut pas s'équiper d'armes ici en fait, il y a un brouillage. Donc on le fait en prévention obsèque et on va passer dans l'autre salle. Voilà, donc directement on s'équipe avec son rapide. Et là, en fait, il est en train de leurrer, donc il lance sa première roquette.
En fait, Raven ne la détecte pas, parce qu'il l'a timé, et là maintenant, il va rentrer dans une boucle infinie, où Raven va plus bouger, parce que là, il est parfait en placement. Il détecte en fait Snake, il continue à tirer, et tant qu'il tient, en fait, il passe Snake au vol les roquettes. Alors, petite chose intéressante, d'ailleurs, en extrême, ce boss apparaît à gauche, en normal, il apparaît à droite. Donc on n'a pas tout à fait le même setup, il est un peu plus rapide du coup en extrême, parce qu'on peut directement aller le point 6. Tu sais qu'on n'a pas parlé, on a vu toutes les différences en extrême, notamment qu'il faut plus de coups, on peut le signaler ici. Alors en extrême, en fait, il y a quelques changements, mais pas tant qu'on pourrait croire. Il n'y a plus le radar, bien sûr. On prend plus de dégâts à certains endroits, mais c'est pas de manière générale. Sur les boss, il va falloir quelques coups supplémentaires, mais pas forcément plus, un, deux coups, sauf sur l'escape qui est beaucoup plus long, mais par une dizaine de coups en plus. Alors on en reviendra sur Liquid, en effet, en extrême, il fait beaucoup plus de dégâts, il est plus difficile parce qu'on n'a pas le droit de tomber du Rex. Voilà, donc on peut quand même applaudir Slay, excusez-moi, j'en ai parlé de ça. Applaudissez pour ce Raven, parfait. Alors là, est-ce qu'il va tenter le codex? Ah, il n'a pas tout à fait eu. Alors là, en fait, on peut aussi faire des choses assez poussées dans le jeu. Quand on sait à peu près, on a des appels obligatoires au codec, on n'en a pas parlé, donc où on rentre dans des phases de machine button, mais on peut faire en fait un codec call skip, c'est-à-dire qu'on peut skipper la sonnerie du codec si on sait à peu près où c'est. Normalement, en fait, on a des repères, et ici ça va bien parce que quand il a mis, Snake a sa stance où il repasse son bras le long de son corps, on commence à bourrer le bouton select, et normalement on va skipper l'appel codec de début, on va rentrer directement dans le codec, ce qui fait que ça fera gagner un petit peu de temps. Là, on lance donc une chaffe pour pouvoir aller chercher. Tellement de caméras là-dedans. Ouais, non, voilà, il y a que de caméras. Alors en soi, on n'est pas obligé de faire ça, sauf que pour aller chercher assez rapidement Stinger, le surplus de Stinger, c'est quand même plus cool de passer comme ça. On verra de tout à l'heure que quand il va revenir, de toute façon, il va pas les neutraliser, il va juste passer en dessous. Allez, là, on va se diriger pour la première fois, on va voir le Rex, et on va se diriger dans une salle qu'on va voir pas mal de fois, parce qu'on va monter, on va descendre, la petite appel codec d'Otacon, petite séquence cinématique qu'on skip au passage, et ensuite l'appel d'Otacon qui va arriver voilà, devant l'échelle. Il y a quand même la moitié du run, là, quand même. Hein. Ouais, donc, voilà. juste la pancarte, c'est juste la moitié du run. Quoi. Ouais, c'est ça. Une demi-heure, rien que là-dessus. La première fois qu'on fait MGS, combien de temps? C'est vrai que c'est assez court, c'est juste une moitié d'heure. Si tu tapes, allez, ouais, une dizaine. Normalement, c'est une dizaine d'heures, c'est pas des jeux non plus excessivement. Après, si tu veux tout fouiller, bien sûr, tu en as pour plus. Et là, ouais, 34 minutes, on est déjà à phase. On peut expliquer en fait. On nous explique que pour ne pas activer le Metal Rex ou pour le détruire, je ne me souviens plus parce exactement. Il a déjà été activé en fait. Oui, voilà, c'est pour le désactiver. En fait, on doit. Alors, c'est assez louche. Hein. On a une carte d'accès qu'on va aller chercher sur un rat. On verra ça un petit peu. Non, il l'a pas encore sur un rat pour l'instant. Non, mais c'est ce que je dis après. On va aller chercher sur un rat. On expliquera que ça peut être là aussi un moment du troll. En fait, cette carte, là, on va rentrer dans cette phase-là. Il faudra aller faire refroidir et réchauffer. On verra ça. Et c'est vrai que ça, c'est une phase qui est un petit peu. Les speedrunners n'ont pas trouvé moyen de la skipper malheureusement. Ils dans la version chercher. GameCube, il y a moyen. Il y a moyen dans la version GameCube, mais c'est pas le même moteur. Ouais, c'est pas du tout le même moteur de jeu. Mais bon. Donc là, c'est pareil, quand on est un speedrunner, bien sûr, on sait exactement quand on les appelle codec, donc on se prépare à appuyer sur select le plus tôt possible et après on rentre dans le machine button sur. Et là, pareil, le coup de la. Des équipements et rééquipement des objets pour pas faire de bruit. Voilà. Qui va donc servir un nombre incalculable de fois. En effet, là, du silent running. Et là, en plus, il projette le gars. Alors, ça, vous pouvez applaudir parce que ça, c'est pour l'avoir c'est essayé, c'est très dur. Parce qu'en fait, ça paraît rien, ça. Vous le voyez courir, il se déséquipe et il se rééquipe pour pas faire de bruit. Le problème, c'est que s'il arrive derrière le garde et qu'il a la grenade équipée, il lance la grenade. Il ne projette pas le garde quand il appuie sur le carré. Donc, il a exactement son timing précis. Il le fait plus lentement pour être sur le bon cycle. Il arrive juste derrière. Sans toucher le garde, sinon il prend une alerte. Lui, il n'a pas le droit d'autre alerte. Je vous rappelle que lui, il est déjà à 4 alarmes. Là, s'il voulait obtenir le meilleur rang, il est déjà à 4. Donc, il n'a pas le droit de se faire opérer. Il projette le garde et il continue. En plus, ça fait gagner du temps. Là, on va éviter cette attaque. Parfait. Ça passe bien. Là, c'est pareil. Ça, c'est déjà plus facile à faire. Il suffit de bien coller en bas. Alors, c'est pareil. Il faut pas trop se faire avoir par le loading juste avant. Donc, il faut le compter dans sa tête. Appuyer sur probe au moment pour passer. Et en fait, quand la cinématique se déclenche, tu cours le long de la rambarde. Tu colles bien. Et au dernier moment, tu repasses sur le garde. Tu fais un saut quand c'est. Ça, normalement, ça te fasse plaisir. Les gardes ne savent pas monter aux échelles. Oui, ça c'est l'avantage. Oui, Metal Gear Solid. Rappelons qu'ils sont quand même génétiquement modifiés. Heureusement. Pour être les meilleurs. Ils ont été vraiment modifiés. Du coup, ils nous voient pas. On passe à côté d'eux. Ils sont projetés. Ils comprennent rien. Ils sont retournés comme des sacs. C'est ça. C'est genre à 2 cm de lui. Ouais. Derrière, tu peux rester. Il n'y a pas de souci. Ils arrivent des fois à t'entendre. Donc voilà, un autre moment RNG. La fameuse Palki a récupéré sur un rat. Ouais. Alors il paraît en fait que ça vient. C'est même une explication qui est donnée dans le guide officiel. C'est que quand tu joues pas trop mal, notamment en termes d'alarme et que t'as pas trop fait de la merde, et bien en fait la clé est forcément sur le rat. Mais tu ne sais pas où est le rat. Alors là, il a pas eu un rat parfait. Donc ça, c'est une grenade préventive. Donc en fait, on se met ici, on lance la grenade. Comme ça, si le rat est ici et qu'il sort, bim, il se prend la grenade, on récupère tout de suite la balle. Donc là, il va passer au Stinger pour détecter le rat.
Donc parce que voilà, dans ces conditions là, on sait qu'on doit avoir la clé sur Laura. Sinon, si on a mal joué, qu'on s'est trop fait repérer, qu'on est trop mort, bah, du coup elle va être dans l'eau et là en plus c'est chiant, on sait pas où elle est et on peut se faire prendre, on peut se prendre une bombe qu'il faut désamorcer, enlever de son équipement, donc c'est chiant. Allez, là c'est parti, il va l'attendre parce que sinon voilà. Pourquoi il est obligé d'attendre et qu'il dirige un petit peu sur la droite? Oui, et puis surtout en fait on veut pas se faire troller parce que si tu le Stinger en fait est un petit peu lent à partir et là ton rat en fait peut détecter ça et rentrer tout de suite dans la ventilation. Donc c'est pour ça que par mesure de sécurité en live, tu préfères attendre qu'il se déplace sur la droite, bien être sûr de le loquer pour pas le rater. Bon, il a eu un rat pas trop dégueulasse, ça va. Il y a vraiment pire, hein, parce qu'il y a des fois il vous attend. Alors le pire c'est que il vous fait des feintes le rat. Vous avez vu où il a lancé la grenade là dans le coin. Bah des fois vous le détectez ici au Stinger et en fait ça, quand vous le détectez ici, qu'il passe le long comme ça, ça veut dire qu'il est de l'autre côté en fait. C'est n'importe quoi, c'est comme ça, t'attends le rat, tu dis ah il va sortir, non, il est de l'autre côté. Voilà, donc là, cette fois-ci, on va ramener donc la première palki, puisqu'on va la récupérer, on va la charger dans le premier ordinateur, donc là c'est bien fait aussi. Hein. Alors une carte magnétique qui n'a pas de problème, qui subit toutes les températures, on verra ça, on peut la réchauffer, on peut la refroidir. Qui se prend quand même l'explosion d'un Stinger dans la tronche. Voilà, c'est pas... bon déjà, en même temps, faire un rat au Stinger, est-ce que c'est bien dit? Pas sûr, hein, moi je suis pas bien sûr, on pourrait. Voilà, pareil, parfait, ah, ça passe bien, c'est incroyable, c'est pas évident encore une fois. Donc là, on va amener ça dans le premier ordinateur, celui qui est complètement à gauche. Ah, faut pas se tromper là aussi. Faire gaffe à la caméra aussi au-dessus. Ouais, voilà, on fait attention, on se dirige vers le fond de la salle, on va aller sur celui de gauche, on s'équipe de la carte juste avant. Alors pourquoi juste avant? C'est très bête, mais si vous l'avez d'équipé d'avant, puisque le cinématique là, c'est normal, on prend pas de risque. Si vous l'équipez en entrant entre les deux bureaux, bah du coup ça va activer le premier ordinateur, celui qui est au milieu, sauf que c'est pas le bon, c'est celui qui doit recevoir la carte bleue. Enfin la carte bleue, vous comprenez votre visa quoi. Non, la carte refroidie pardon, qui va devenir bleue. Ah, il préfère attendre pour le garde. Ok, alors donc là il y a un garde, pas de risque, on attend, silent running, parce que sinon on peut se faire repérer, il peut nous entendre en fait, même si on est ici. Et là c'est alerte direct. Et... voilà, donc là on est parti, on va retourner dans la salle de Raven, où il faudra donc attendre une minute avec la palki. Dans son inventaire, voilà. Bon là forcément on n'a pas besoin de l'équiper puisque ça on la laisse dans son inventaire et il faudra attendre qu'elle se refroidisse. Voilà. C'est une phase qui est assez qui devient beaucoup plus plate en fait dans le run, parce qu'il y a pas mal de scènes d'action, surtout après une fois que tu sors de la scène de torture avec des phases pas mal difficiles. Ah, le problème est du Unipercent, t'as plein de trucs, t'as quasiment aucun combat de fait, donc là c'est voilà quoi. C'est vraiment le passage, le seul passage où tu peux pas skipper, que t'es obligé de faire et qui est relativement chiant parce qu'il se passe rien. Obligé de le faire, il n'y a aucun skip qui a été malheureusement trouvé. Ouais, parce que ce qui est vraiment en plus problématique, c'est que c'est pas trois objets différents ces cartes, c'est vraiment le même objet qui change d'état. Ça. Donc ça rend les choses d'autant plus dures. Pourtant, le backtrack que t'as à faire, il est pas petit. Hein. Parce que là, on va jusqu'à jusqu'au congèle. Enfin, et ouais, après, on revient jusqu'à la Blast Furnace. Ouais. Et là, donc on peut passer sous ces caméras sans problème. En fait, il suffit juste de coller les murs et les rambardes et vous faites pas repérer. Faut juste le savoir. Alors on peut parler justement des glitches, parce que c'est vrai que Slade quand même a aidé justement à trouver tous ces glitches, hein, parce qu'on se demande souvent comment ça arrive, d'où ça vient, c'est assez intéressant de savoir que Slade quand même avait fait par erreur le Weapon Glitch par exemple, mais il était incapable de le reproduire. Voilà. Et du coup, c'est deux joueurs qui aiment bien trouver des glitches, mais qui run eux aussi, qui sont The Threeness et Magnum 66, c'est ça. Qui ont compris, alors notamment aussi le OB, parce qu'il y avait une vidéo d'un japonais qui montrait sur Blast Furnace qu'il avait trouvé un moyen aussi de sortir des limites du jeu. Alors on est obligé d'attendre 60 secondes. Voilà, on n'attend pas pour plaisir, on va attendre tranquillement. Et donc, ouais, Slade a pas mal aussi aidé. C'est assez intéressant, des fois on se demande. Il y a quasiment le jeu qui a été cassé, si vous voulez une idée, début 2013. Ça. À la base, ils avaient juste trouvé le weapon glitch jusqu'au Stinger. Le problème, qu'ils arrivaient jusqu'au Ind, ils pouvaient pas tuer, ils pouvaient pas descendre le Ind puisque le Stinger n'existait pas. Donc, ils ont essayé tout ce qu'ils ont pu pour essayer de se dire comment je vais pouvoir sortir de là, etc. Et en fait, par en gros hasard, ils sont rendus compte qu'en revenant avec le weapon glitch sur les caisses, ça faisait passer. Alors après, ouais, c'est ça quand même qui est incroyable, c'est que tu fais réapparaître les caisses, mais que par derrière, tu arrives à monter dessus, quoi. Ça c'est quand même invraisemblable quoi, mais pour le trouver, parce qu'il faut quand même un angle assez précis. Ouais, bon, en plus faut la skip de la cinématique de Tacon avant, donc ça aussi. Ah, d'ailleurs c'est vrai qu'on n'a pas précisé, mais on peut softlocker le jeu à cet endroit. Oui. Si malheureusement, ça m'arrive assez souvent. En fait, si malheureusement quand tu fais disparaître le Stinger dans ton inventaire, tu fais un tout petit peu trop tard, il y a un paradoxe qui serait pour le jeu, parce qu'en fait, t'as franchi le trigger qui lance la cinématique, mais tu n'as plus le Stinger dans l'inventaire, donc tu devrais pas lancer la cinématique. Du coup tu te retrouves bloqué comme un con dans l'ascenseur et là freeze. Il y en a un autre qui peut arriver, mais là, il faut vraiment volontairement le faire. Si on n'a pas la scène cinématique de Sniper Wolf 2, quand elle nous tire dessus, là, cette fameuse phase où on court, on sort, si on ne va pas jusqu'ici, en fait, et qu'on déclenche le Weapon Glitch, on pourra aller jusqu'à Sniper Wolf, mais au bout d'un moment, le jeu va friser. D'accord. Ouais. Oui, il me
sont plus là, il l'avait fait dans son stream. Voilà. Tu peux, alors, par contre, tu peux t'amuser à aller voir Steppenwolf qui fait rien, ça c'est assez drôle. Parce que du coup, elle t'a pas repéré, elle te tire pas dessus. Mais du coup, au bout d'un moment, le jeu bloque. Mais en parlant de Weapon Glitch avec Steppenwolf, sur le premier combat, normalement, on peut le faire aussi. On peut le faire aussi, c'est marrant, et tu vas te battre. On peut aller taper à la main. Et ah, pour un sniper, un petit peu pas normal à la base. Là aussi, c'est parfait, ça passe bien. Et c'est qu'on peut aussi dire que, quand même, les Weapon Glitch sont aussi utilisés dans le All Bosses. Ouais. C'est vrai que, donc, bien sûr, les catégories ont été pas mal remaniées quand on a découvert tous ces glitches. Donc, au début, on va dire, même Slade a été un des pionniers pour faire le jeu vraiment normalement. C'est ça. C'était au début, il a rené quoi, 2008 quand il avait commencé avant son temps sur la SDA. Il avait dû commencer avant parce que je crois que les SDA, c'est quand son. C'était quand son. En 2008, pardon, c'est quand son run était apparu sur la SDA, si je dis pas de bêtises. Et le run pal en plus, hein. Après, c'est c'était un run pal en moins de 2 heures. C'était déjà très impressionnant. Qui est plus rapide qui est en single segment et qui est plus rapide que le segmenté en temps. Ouais. Si tu remets le même temps, ouais, pas c'est impressionnant. Impressionnant. Et donc, après petit à petit, on a trouvé les différents glitchs. Et c'est vrai que maintenant, on a un run en hypersynth ou large skip, comme certains l'appellent. Mais bon, en hypersynth parce que ça reste la manière la plus rapide de faire le jeu. À part que c'est vrai que les joueurs de MGS aiment bien s'imposer le rank. Oui. Le petit challenge du rank, toujours très important. De toute façon, vous pourriez faire un temps encore inférieur, mais vous essayez d'avoir le meilleur rank. C'est ça qui donne toute la saveur en fait à René MGS, c'est qu'il y a la contrainte de faire ça vite, mais avec le meilleur rang. Très bien. Ouais. Et donc, il y a le All Bosses, mais qui n'est pas un glitchless, puisqu'on utilise dans le All Bosses du Whip. On peut utiliser notamment des OB qui vont sortir, qui vont être très utiles dans les cavernes pour skipper, sortir aussi pour se rendre dans l'endroit du tank. Ouais. On va gagner un petit peu de temps comme ça. Mm-hmm. Mais bon, le All Bosses est une catégorie qui est beaucoup plus difficile parce qu'elle est vraiment très dure. Comme on disait notamment Wolf 2, qui est vraiment Wolf difficile. Wolf 1 déjà est pas facile, en fait. C'est assez random Wolf 1 déjà. Ouais. C'est vrai que c'est un boss qui est en plus assez aléatoire. Mantis aussi, Mantis. Merci quoi. Le ninja ça va encore, il est pas si dur que ça. Il est plus régulier, ouais, c'est pour moi. Mais c'est vrai que c'est assez fou de voir comment les joueurs gèrent aussi au slot, ne serait-ce qu'au slot, il court après. Il prend très cher au slot. Il y a même moyen en fait de pas le faire bouger au slot. Hein. Ah oui, il y a une loupe. Elle est moins rapide. Elle est moins rapide. Ah, il faut faire attention, là du coup il y a un gars. Et ça par exemple, les gardes qui sont sur votre chemin, ce qui n'existe pas en fait dans la version US en extrême aussi. En fait, les gardes sont de chaque côté, donc vous quand vous passez. Enfin, pardon, les gardes en fait ne vous gênent pas dans votre chemin, vous avez juste à vous décaler une fois à gauche, une fois à droite, il n'y a pas de souci. Voilà. Par contre, là ils sont en plein milieu, donc vous êtes obligé de les distraire pour pouvoir passer. Donc en soi, c'est vrai que juste pour finir sur la version intégrale, il y a des différences, il y a certaines salles dans Best Furnace qui est un petit peu plus longue. Mais même ça, et tout cumulé, le fait de gagner 2 minutes 40 sur le dialogue qu'on ne verra pas en fait, le speech de Liquid, en soi, c'est vrai que voilà, moi, selon moi, ça reste la version la plus intéressante si et tu voilà, veux faire un temps. Et voilà, on tape les corbeaux. Alors faut pas trop en taper, hein. Tu sais que si tu en tapes trop, tu as reçu un petit appel codec du général. Pas du général d'ailleurs, je crois que c'est du. C'est Naomi. Je sais plus. Je sais plus. Enfin, en tout cas, tu reçois un appel codec, tu dis attention, va bien. C'est pour ça qu'on en tape un ou deux. Ouais, c'est vrai que voilà, on peut faire un petit tour aussi des temps. Donc Slade, un peu solo monde, j'ai envie de dire, sur MGS. Hein. Je crois que je vais pas mentir en un disant peu ça. Même. Parce que, alors au début, c'était marrant parce que quand il y avait le début de Lady Person, les joueurs étaient tout contents. On avait vu ce run d'un japonais qui s'appelait Moonlight qui était passé au-dessus de 1h10. Ouais. Et après, quand Slade s'est vraiment mis, les records sont tombés. Et donc actuellement, sur la version US en extrême, il est à 1.07.56. En All Bosses, 1.38. Si je dis pas de bêtises. Et bon, la version intégrale, donc son meilleur temps, alors, bien sûr, tout ça, meilleur rank. Hein. C'est sous-entendu Big Boss Rank. Et donc sur la version intégrale, 1.6.23. Il a fait moins que ça, mais malheureusement, il a fait un magnifique run, parfait, il s'est fait repérer sur Johnny. C'est vraiment, ça peut arriver parce que son placement est tellement précis sur Johnny, s'il perd un tout petit peu de temps, le moment où il va se relever, il peut se faire repérer à cet endroit, c'est tout bête. Mais du coup, alarme supplémentaire et c'est fini, puisque lui, il utilise juste le nombre d'alarmes. Donc 1.6.23, mais c'est violent. Et une seule erreur, et ça pourrit le rank direct, ça te fait passer en eagle, ce qu'on appelle le America percent. par rapport à America, fuck yeah, avec l'aigle, voilà. Mais une seule erreur. Il y a très peu d'autres joueurs, il y a Inamore qui avait fait un run quand même pas mal, mais malheureusement en eagle, justement. Il a fait un doration, je crois que c'est pour ça qu'il avait le eagle. Et après, il y a le TAS de The Englishman, mais qui est pas à jour à cause d'une. Mais il est plus. Ouais, en fait, il est. Alors, c'est ça quand même qui est incroyable. Donc, Englishman fait un premier TAS, donc il était bien et tout. On découvre les glitches. Bon, je le mets à jour. Manque de pot entre temps, on a découvert d'autres manières de passer, notamment l'armorie et plein de salles. Donc, du coup, il est encore plus à jour, mais dans le TAS. Donc, là, en tant que tel, c'est vrai que la manière la plus rapide de voir le jeu fait, ça reste le speedrunning. C'est assez. Au moment assez intéressant à noter, assez surprenant, mais c'est le cas parce que les tests sont pas bon. Rien à faire, hop, on attend quand même. Parfait, donc là pareil, on va voir attendre
Un certain temps aussi, une minute et six. Ouais, mais là en plus t'as les temps de chargement entre les zones, donc c'est un peu plus d'une minute. Slade d'avant, mais les temps de chargement sont pas comptés, oui. Tu avant, avant il mettait un timer et plusieurs fois il s'est fait avoir, donc bah il fait un peu au feeling quoi. Ouais, moi je le fais pas au timer, je préfère bien prendre mon temps pour vérifier, pas faire. Parce que bon, bien sûr ça fait perdre quelques secondes, mais c'est tellement. Parce que là c'est une minute que tu perds si tu ressors et que la clé est pas rouge, c'est une minute de perdu quoi. C'est une minute de perdu. Alors aussi on peut noter que là Slade run sur une PS1. D'ailleurs, donc du coup, on a un changement un petit peu plus prolongé, mais une meilleure activité aussi du jeu et moins de lag à certains endroits que s'il était joué sur une PS2. PS2, assez étonnamment, le jeu est émulé un peu bizarrement. Il y a des endroits où ça lag quand tu lances des chaves, dans les ascenseurs. Et donc, on joue sur une version intégrale japonaise, je le rappelle. Juste pour. Parce qu'on peut skipper un dialogue qui dure 2 minutes 40. Il y a très peu d'autres différences par rapport à la version US. Moi, j'en ai remarqué quelques-unes en normal sur Raven, qui a un comportement un peu aléatoire en normal dans la version US, qui peut se mettre à tirer quand il part vers le bas à son entrée de la salle, qui n'arrive pas dans la version, qui m'arrive jamais arrivé dans la version intégrale. Troll Raven. Ouais, je sais pas pourquoi. Après, Troll Rat et Troll Crane, Troll Raven. Ouais. Bon, par contre, ouais, la grue et le rat, c'est pareil. Hein. Tu te fais tromper de la même manière. C'est tellement n'importe quoi, ça va. Là, par contre, là, on a plus là, toute l'animation et tout, ça coupe directement. Raccourcir le temps là, c'est normal. Avant t'as toute la descente et tout, et la première fois que tu te prends, t'as le codec et tout. Voilà, bon là c'est un petit temps de peau, les caméras qui sont pas généreuses avec lui. Donc là aussi ça peut être un facteur qui vous fait perdre un petit peu de temps. Parce que si vous avez les gun caméras bien placées, bah vous pouvez tracer direct, sinon vous êtes obligé d'un petit peu attendre. Il a assez de chaff pour le faire. Oui oui, c'est vrai. Bah surtout oui, parce que c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais les techniques ont beaucoup évolué, parce qu'au début on utilisait une chaff par exemple sur l'héliport, ce qui est plus le cas là puisqu'il déclenche une alarme, donc du coup il a une chaff supplémentaire encore. C'est ça, mais le truc de l'héliport, c'est à double tranchant, c'est que la faire repérer après. Voilà, c'est ça, l'alarme qui est là, il ne peut pas la prendre quand il est avec Johnny. Ouais. Sachant que Johnny, quand Slade tout à l'heure l'a étranglé, si t'es trop lent, tu te fais repérer. Oui. Et donc l'alerte, si tu la prends à l'héliport et que tu la prends à Johnny, ça te flingue ton rang direct. Donc t'as plus le droit à l'erreur. Si tu l'as fait à l'héliporte, l'alerte, t'as plus le droit après. Si tu la fais pas, tu fais la technique plus safe. Certes, tu perds du temps, mais ça te laisse une alerte éventuelle à Johnny. Alors, on attend un codec qui est un des plus longs du jeu. Ouais. Avec celui qu'on a vu dans la phase où on repasse dans l'endroit de le couloir de Sniper Wolf et un vers la fin. C'est vrai que celui-là, il est assez bon codec. Alors là, il n'y a pas le choix. Hein. Il n'y a pas de bouton triangle, là, comme dans les. Toi qui joues à MGS2, il me semble. Ouais, au start sur MGS4 pour passer tout directement. Et MGS3 aussi triangle, je crois. Et là, il n'y avait pas ça à l'époque. Donc là, quand on est un speedrunner, c'est machine button, est obligé de s'activer. C'est ça. Les manettes turbo, c'est pratique dans ces cas-là. Ouais. Bah, surtout que sur une version japonaise, ça serait complètement autorisé. Ouais. Complètement autorisé, mais avec les règles qui ne sont pas imposées par la Speed Demo Archive, on pourrait imaginer une manette turbo. Comme c'est le cas pour certains speedruns sur des RPG. C'est ça. Et d'ailleurs, le record du monde d'MGS2 d'ailleurs a été fait en manette turbo. Le segmented Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'il faut faire gaffe parce qu'il faut pas rentrer une direction et tout. Parce que tu peux faire, en fait, tu peux faire passer les dialogues par exemple avec la croix de direction aussi. Je me suis mis à faire. Mais par contre, si tu rentres, si t'as oublié, tu vois, t'as un petit peu. T'as pas fait gaffe, t'as laissé une direction et que t'appuies, par contre, du coup, tu vas te faire défiler aucun texte. Faut pas qu'il y ait deux appuis sur les boutons en même temps. Ouais, il y a des petits pièges comme ça, ça paraît tout bête, hein, mais du coup, tu fais what? Et en fait, j'ai obligé de relâcher un des boutons. Et du coup, tu skip pas et tu perds un petit peu de temps. Et ça aussi, bien sûr, c'est parti. Voilà, donc là, on tape sur ce conteneur pour attirer les gardes. Hop, on le projette, tranquille, y'a rien vu. Ça aussi, ça passe bien. Bon, là, lui, il va pas aller chercher. Il va aller chercher les Stingers supplémentaires. Ils réapparaissent pas, je crois. Hein. Ah non, il en a plus. Ah oui, c'est vrai qu'il en a plus. Il en a pas en extrême, c'est normal qu'il y a un. Eh oui, ça repop pas. Ça repop pas. C'est vrai que quand on ressort et qu'on revient en normal, en fait, quand on revient dans la phase pour faire réchauffer, on a une ration qui réapparaît, t'échappes et en effet. Sachant qu'en extrême, les rations n'existent pas, voilà. Il n'y en a pas sur le terrain. Par contre, elles sont sur les gardes. Elles sont sur certains gardes, mais de manière aléatoire. En fait. C'est ça. Enfin, en plus. On sait sur les gardes à peu près, mais on n'est pas sûr de l'avoir. C'est ça. On connaît le garde, mais pas sûr qu'on l'ait. Ah oui, donc ici, il peut pas en avoir. Bon, normalement, ça va bien se passer, il n'y a pas de soucis. Il y aura suffisamment de Stinger pour le Rex. C'est vrai que le combat contre le Rex, au final, on va voir qu'il va bien le manipuler. Super facile. Ouais. Enfin, quand on connaît le pattern. C'est ça, ouais. Sinon, si on sait pas comment le gérer. On prend pas de chair. Surtout avec l'attaque laser. C'est du vécu. C'est du vécu.
Ouais, allez, on va s'approcher, ouais, on a fini la phase de, des palcards, enfin. Et moi, si vous me demandez pourquoi Slade prend pas, enfin, va pas chercher de ration, etc., parce qu'il y a certains moments dans le jeu où sa vie va revenir à fond. La, la première fois du jeu, c'était quand il descendait, bah, en rappel, là, avant le combat contre Rex, donc là, la vie va remonter à fond, et avant le combat contre Liquid, et avant la, l'escape. Voilà. Les seuls 4 moments du jeu. Et c'était aussi le cas quand on avait les live upgrades dans les différentes salles tout à l'heure. C'est ça. Voilà, donc là, on va découvrir l'horrible vérité. Rien à dire, mais magnifique lunette. C'est cool, j'ai pas une lunette de soleil, j'aurais bien fait pareil. Ah, mais t'aurais fait pareil. J'aurais enlevé mes lunettes de soleil. Ouais, c'est vrai que là, attention. Hein. Patrick Sébastien peut se tenir là en termes de. Parce que là, il était super bien déguisé. Hein, what? Non, c'est Rumsk à moi. Ah non, mais. Allez, là, là, on se retrouve enfermé dans une salle pleine de gaz, donc on a sa barbe bleue qui s'est activée. Donc il faut tout de suite appeler Otacon. Alors faut pas oublier de l'appeler, parce que sinon ça se passe mal. Les mecs qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Donc là, on appelle Otacon et là, on va attendre. Donc on se met directement à la porte parce qu'elle va s'ouvrir. Hop, deuxième appel, on appuie sur le bouton select à la frame. Bim. Hop, on passe le qui sert à rien. Et Otacon nous ouvre. Parce qu'Otacon est un petit génie informatique, on l'a pas dit parce qu'on n'a pas fait de jeu. Donc il a un peu piraté tout le système. Et Liquid qui t'attend pour troller juste c'est à ça, qui dit coucou, je suis là. J'ai enlevé mes lunettes de soleil et je suis torse nu. Oui, parce que Liquid il fait moins 40 dehors, il se balade de torse à poil, comme Raven. Normal. Non, mais c'est des sur. Allez, le combat contre le Rex, donc une petite cinématique à passer et avec un placement. Voilà, donc lui va se déplacer un petit peu à gauche entre les jambes, voilà, c'est un peu précis. Et là, donc en fait, il y a plusieurs attaques que peut nous faire le Rex dans sa première phase. Et donc là, on va le manipuler pour qu'il nous fasse attaque mitraillette et laser uniquement en ne dépensant pas un certain point. Donc on va jouer la distance, voilà. Et on va bien se placer à chaque fois et je vais voir comment ça va enchaîner. Bim! Bim! Bien! Là, on évite la mitrailleuse, le laser carré, c'est super dur, ça paraît vachement facile comme ça. Ça demande un bon timing et bien se retourner. Et surtout, au moment où tu vas déclencher le sticker, de bien être en face par rapport au Rex. Parfait. Impeccable, on peut applaudir. Voilà, parfait. Magnifique. Au Rex. Magnifique. Il n'a pas pris un dégât. Surtout, ce qui n'est pas évident aussi, c'est qu'il faut avoir un timing précis. Alors, non pas pour éviter des attaques, mais surtout pour pouvoir toucher le point névralgique du Rex qui, par moment, est caché par sa carcasse qui est devant. Voilà, tu tires ta roquette et tu le misses. Et où tu fais moins de dégâts. Ouais, tu fais moins de dégâts en effet. On et va pareil, voir aussi. Pareil pour Liquid aussi là. Ouais, dans cette deuxième phase, ça va être la même chose. Donc cette fois-ci, on va affronter le Rex. Mais on va voir que là, l'affrontement va être avec un timing un petit peu plus lent, donc un peu plus simple en soi. Parce qu'on va lui faire deux attaques en fait. Cette fois-ci, une attaque qu'on n'a pas vue tout à l'heure, l'attaque de Rocket et la mitraillette. On va surtout vouloir éviter l'attaque laser parce qu'elle part dans tous les sens. Voilà. Donc là, une grosse barre de vie par contre du Rex. Là, on se rend compte de la différence par rapport aux versions normales. Et là, il faut le toucher bien correctement pour bien lui faire faire un peu de dégâts. Parce que vous pouvez le toucher, mais pas lui faire faire suffisamment de vie comme tu disais. En fait, faut viser Liquid. Si vous visez à côté, vous faites perdre. Voilà. Là, par exemple, il vient de perdre un peu moins de vie. Si vous visez Liquid, vous faites perdre plus de vie. C'est super difficile. Du placement, il faut, faut locker. Et le timing aussi. Hein. D'ailleurs, c'est vraiment une horreur. Bien géré jusque là, on prend les cartes sur la détresse, on l'oriente, pas de soucis, allez kiffe le sticker dans ta gueule, le Rex avec Kiff. Oui, voilà. Bravo. On applaudit Slade. Et là, je crois que moi c'est le moment que j'attends, parce que là, Liquid, si tout va bien, c'est ce qu'on appelle le skip Liquid, enfin bref, le skip Liquid. Bon, c'est pas dans ma machine non, à laver. Non, on la fait non, pas ça. La porte c'est là-bas. Ah, c'est là-bas. Ah, mais c'est fermé pour des raisons de sécurité. On a pas le droit de sortir. S'il te plaît. Alors en effet, donc là on est censé affronter dans un combat viril, torse nu, il va avoir de la sueur viril, et donc ça va être à main nue en fait. C'est ça. Donc là on a skippé le fameux dialogue, alors là juste on signale, le dialogue de 2 minutes 40 devait être ici, on passe directement à la phase de codec. Donc voilà, c'est ça la différence avec la version intégrale. Donc là on est sur le Rex, et on va se battre mano à mano face à avec Liquid. Avec son frère clone jumeau. Fratricide, là, combat exactement. Entre les deux frères, on apprend... C'est ça. Liquid contre Solid, ouais. Autant Johnny de bien savoir ce que c'est Liquid. If you win. Et donc là, on a 3 minutes parce qu'en plus, donc, il nous met un ultimatum parce que sinon tout va péter. Et on doit se débarrasser de Liquid. Alors sachant qu'il a 3 phases, donc il faut réussir à lui bouffer sa barre de vie. Il a 3 phases. En première phase, on va dire qu'il fait pas grand-chose. Deuxième phase, il commence à riposter. Troisième phase, il commence à être très très chaud. Et grosso modo, au début, on pense qu'on a qu'on peut faire que 3 coups enchaînés et le troisième coup est un coup de pied et on projette. Or en fait, il y a moyen de faire un infini combo ici, parce qu'on peut faire que des coups de poing avec un timing. On va voir ce qu'on va faire. Donc là, avec un angle assez précis. Oui, magnifique. Oh, il est bien parti, il est dans le bon angle. Bim, 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 bim.
Allez, ça commence à enchaîner, alors là il faut garder le timing. Ouais. C'est bien ouais. parti, on est quasiment ouais. à la dernière ouais. ouais. ah, il est en train de le faire, il est en train de le faire, il est en train de complètement bourrer les Gwyn. Qui peut rien faire, il est passé à sa deuxième phase. On en a rien à foutre, il n'a rien à faire, il est bien quoi. Oh non, malheureusement, et c'est pas grave. Alors là par contre, il est dans la phase, une des phases les plus chiantes. Parce qu'il a fait, non, il a pas fait son dernier changement parce qu'on n'est pas arrivé encore à la troisième phase, il est qu'à la deuxième. Il s'est fait charger, alors par contre, maintenant on peut plus faire l'infinite parce que ce qui va se passer, il va forcément le casser, clignoter, et du coup, on se prendra forcément un coup. Et là, donc, alors ce qu'il faut dire en extrême, c'est qu'on a, on le redise, donc Liquid fait très mal, et en plus, on n'a pas le droit de tomber du Rex, donc ça ne raccrochera pas. Donc là, il a des phases, alors là, on est rentré dans la dernière phase, donc soit il va charger, soit il va chercher à nous donner un coup de pied en avançant vers nous. Allez, on a eu un beau début quand même, on va le manipuler. Le coup de pied, oui, alors la hitbox hein, de Liquid, c'est n'importe quoi. On peut éviter les charges et en appuyant sur X. C'est que les coups en plus que Snake donne à Liquid sont complètement random. C'est que Liquid, des fois, peut du premier coup se mettre à clignoter et plus pour être touché. Voilà, là, on lui donne deux petits coups et on se barre très vite. On peut aussi lui donner deux petits coups et se baisser. Ça évite en fait d'être touché. Quand on est baissé, en fait, la hitbox de Snake n'est pas touché par les attaques de Liquid. On bait. Voilà, voilà. Donc là, et alors ce qui est très aussi vicieux, c'est qu'il faut pas trop le faire tomber parce qu'au bout d'un moment, si vous le faites tomber au sol avec du coup de pied sur le Rex. Ouais. Dommage. Et ben il va reprendre de la vie. Alors là, il va essayer de le projeter. Ah non, il est trop loin. Ah, malheureusement, il s'est un petit peu trollé. Bon, ça devrait largement passer de toute façon. Voilà. Allez, on peut applaudir Slade. Qu'on a un petit peu chié. Bon, on a quand même eu le début de l'utilité combo. L'abnégation qui paye. Ouais, c'est beau. Et croyez-moi, c'est dur. Hein, parce que, en fait, ce qu'on n'a pas dit, donc déjà, il faut avoir le rythme. Mais là, on est précis. Parce que sinon, Liquid, il se barre, en fait. Et là, il est poussé pour partir vers le coin du Rex et ne plus bouger. Mais il faut vraiment avoir au début le bon angle et le bon positionnement. Allez, la phase d'escape. Alors, aussi assez intéressante. On va avoir une petite manipulation du garde. Donc là on est avec Otacon qui cherche à démarrer la Jeep parce que donc on a pas sauvé Meryl. Donc là on neutralise ce garde pour que les autres lui tirent dessus ou éventuellement le projet, il tire pas justement parce qu'il y a ce garde devant. Et là on le maintient, on lâche au bonbon et on va monter dans la Jeep, ce garde va se faire écraser. Bim. Voilà, et on va détruire les barils et on se casse. Tranquille, voilà. Pas de problème. Prends pas de dégâts, nickel. Ouais, c'était parfait, bon début. Et des fois c'est pas évident sans ce garde parce qu'il se relève, si on a mal timé il se relève trop vite, du coup il est pas chargé par la Jeep tout simplement. Et là on prépare dans son fusil mitrailleur, on passe à la vue de la première personne en appuyant sur triangle. En les carrés, c'est ça. Et du coup voilà, donc là on voit, là, ça c'est la vue de la troisième personne et on va passer à la vue de la première personne. Donc là premier barrage, et s'il va assez vite normalement il va tout être annulé, faut qu'on va faire parfait. Voilà, alors on peut applaudir, nickel. Et on peut bien ce passage parce que croyez-moi. Si vous n'avez pas le bon angle et que vous n'allez pas assez vite, vous détruisez pas les barils suffisamment vite et vous prenez un petit tir par ce garde. Deuxième barrage, par contre, on est obligé minimum de prendre un tir. Ouais. Pas le choix, même en tas, on prend un tir. Maintenant, on va essayer de neutraliser le premier garde assez vite. Et il se barre, malheureusement, ça s'est toujours tombé. Elle a pris deux tirs. Alors, c'est pas très bien. C'est bien parti là. Bon. Là, on prend que deux. Si on prend que deux. Troisième, il s'est caché malheureusement derrière. Ah, voilà, tant qu'on n'a pas décimé les gardes, on ne peut pas passer. Voilà, c'est bon. Ouais, elle est pas évidente cette fan, et en plus il a pas eu de chance, elle le garde de droite tout de suite c'est pas vrai. Donc comme Jean-Marie. Et donc du coup on peut pas continuer en fait, enfin on est obligé d'avoir un champ beaucoup plus large, donc on perd du temps pour arroser les gardes. Allez, la dernière phase de l'escape, on va retirer sur le clip parce qu'il est toujours pas Yet. Ah non, toujours pas. Allez. Donc là, on va balayer en fait de droite à gauche avec la mitraillette, mais avec un certain rythme, parce que sinon, si on va trop vite, en fait, on voit qu'il se baisse, et du coup, il va passer sous la mitraillette de Liquid. Donc il faut faire attention. Donc là, c'est pour ça que là, il atteint volontairement un certain temps où il tire dans le vide, et là, hop, il croise. Voilà, là, c'est normal. En fait, il y a une phase où on repasse juste derrière, nous, il faut être aligné, et là, la hitbox de Liquid, des fois, elle est très étrange, n'importe quoi. C'est un peu. T'as l'impression vraiment de lui tirer sur la tête, ça touche pas. Je pense qu'ils ont voulu un peu gérer le fait qu'il y ait le déplacement avec la Jeep, que t'as une cadence de tir sur ta défense et tout, mais c'est un petit peu trop. Et des fois, la Xbox, c'est un peu. Bon, là, quand t'es dans cette phase, normalement, on se fait taper par la Jeep et on place bien tout de suite avec une direction en tirant tout de suite avec la défense pour tout de suite toucher le vide et pas trop perdre de temps. C'est surtout la dernière phase qui est relativement chiante. Oh, il y en a eu directement. Il a snipé dès qu'il est sorti cette phase, la connaissance parfaite là. Il a pris très cher là aussi. Bim. Bien, voilà, ça y est, il est dans la phase aussi. Il y a des frames d'invigérabilité. Ouais, voilà. On va prendre bien de passage. Ouais, c'est maintenant. Il va rester complet à gauche. Voilà, donc là, il a bien géré il là parce que. Pas. Ouais, quand il repasse de ce côté, en fait, c'est vraiment pas évident. On peut vraiment se prendre un tir. Il a un civilis là. Enfin, c'est magnifique. Ouais, il se passe vraiment bien. Ouais, c'est propre, n'est-ce pas. Alors, la toute dernière phase, c'est chiant, par contre. Voilà, ouais. Après, il est bien neutralisé. Voilà, toute la phase, on se rapproche vraiment.
pile, voilà. Et là, on est obligé de prendre notre frappe. Je sais pas si la bonne frappe prend de flash. Mais c'est vraiment difficile. On va voir un snake, en fait. Ah, il a bien géré là quand même. Ouais. Et voilà, c'est fini. On peut applaudir Snail. Il va faire quelque chose quand même un peu plus d'une 0-8. Bravo, bravo. Ouais. Alors, je sais pas, et je pense qu'il a le temps de venir nous dire quelques mots. Oui. Parce que voilà, on est obligé. Alors, on est obligé en fait pour avoir son temps dans MGS. C'est un peu traditionnel parce que c'est le cas dans le 3, je sais pas, dans le 2. Dans le 2, pareil. Tous les Metal Gear. Pour avoir le temps final. Tu es obligé de laisser défiler tout le générique et en plus il compte dans le temps donné par le jeu. Et tu ne peux pas skipper le générique. Sinon, ce sera trop simple. Bah oui. Donc là, dès qu'il va avoir fini de ce petit dialogue qui est un petit peu long, là, Naomi, il attend. Sniff, hop, sniff. Hop, hop, ouais. Et voilà. Donc là, à partir de maintenant, il n'y aura plus qu'une input à rentrer. En fait, voilà. Pour passer la cinématique juste à la fin du staff roll et passer sur le dialogue entre Ocelot et Solidus. Donc, on va peut-être demander à Slade de nous rejoindre pour venir un petit peu nous parler du run, et puis après on verra son temps, comme ça nous laisse le temps de parler pendant le générique, qui dure quelque chose comme 7 ou 8 minutes. Je crois que c'est 8 minutes d'ailleurs même. Il me semble. Voilà, on va lui passer un autre micro. Déjà, applaudissements quand même pour Slade, même si ça a été un run qui a été difficile. Il a eu quelques petits soucis, le pauvre. Il va nous expliquer un petit peu tout ça. Peut-être il a été dérangé par le son ou... Ouais, je pense que c'est ça, parce que des erreurs qui sont pas habituelles pour beaucoup suivre ce que fait Slade, j'ai vu des erreurs qu'il fait pas souvent, ça doit faire longtemps même que ça lui est pas arrivé sur le walkway, des choses comme ça. Sur le walkway, ça... Alors le walkway, on rappelle, c'est la phase avec la passerelle et les trois gardes. Là où je suis mort deux fois, effectivement. En fait, le timing est assez spécial, donc là, j'avais... Enfin, le son était pas parfait, donc j'avais... ça m'a un peu gêné. Mais ouais, normalement c'est quelque chose qui me pose pas vraiment de problème, mais ouais, effectivement. Par contre, les glitches sont passés. Par contre, les glitches sont passés parfaitement et tout le reste du run était vraiment très bon. Ouais, c'était vraiment impeccable. À part Liquid, mais bon, je m'y attendais un peu. Ouais, Liquid, bah oui, déjà t'avais des problèmes de son. Alors pourtant, sachant que ta technique c'est justement de ne pas utiliser trop le son qui dérange ta cadence. Ouais, ce que je fais c'est que je baisse le son de ma télé et pour pas être gêné par les cris de Liquid. Et mais là, bon, dans cet environnement, il y a pas mal de sang autour, c'est plus difficile de garder le rythme. Bon, encore, c'est vrai que ça isole quand même plutôt bien, on avait peur qu'on puisse pas commenter, ça s'est quand même pas trop mal passé. Alors donc, toi, du coup, c'est vrai que ça fait quand même pas mal de temps que tu es sur MGS 1, parce que beaucoup de temps, est-ce que tu l'as préparé? Alors, t'avais déjà fait des runs à l'époque où il n'y avait pas vraiment tous ces glitchs, on va dire, t'avais proposé un run qui avait été accepté, puis du coup tu y es revenu un petit peu de temps en temps, et puis après quand il y a eu les glitches, tu t'y es remis quand même. Ouais, en fait j'avais fait mon premier run sur la version PAL, donc pour SD. Juste tous les deux heures, c'est ça, une 59 Une 59-46 je crois, ouais. En 2005. Oh là là, en 2005. En 2005, ouais. Ah, je croyais que c'était 2008, moi. Non, c'était 2005, d'accord. Ouais. Et quasiment 10 ans, t'imagines, l'année prochaine, ça fera 10 ans. Ouais, ouais, c'est vrai. J'ai arrêté pendant quelques années, j'ai repris en 2012. D'accord, donc les glitches, ça a commencé à travailler un petit peu, mais les jeux n'étaient pas complètement cassés. Non, les glitches, ils ont commencé à être cherchés à peu près à l'été 2012. Donc toi, t'en as trouvé, d'ailleurs, tous les glitches, tu l'as trouvé par accident. Mais... J'ai trouvé quelques glitches, effectivement. Et, la route finale a été trouvée début 2013, donc à peu près 6 mois plus tard. Ça, ouais. Et après, il y a eu quelques évolutions sur certaines salles pour gagner du temps, notamment un tout dernier skip là, sur Johnny, en fait, qui a été découvert début 2014 en plus. J'ai découvert par un joueur, enfin, non, quand on a entendu parler. Fin 2013, par un joueur qui est pas. Enfin, on sait pas trop combien il a trouvé ça, qui jouait. Il a eu l'idée de faire ça. Ouais. Non, c'est juste. Enfin, c'était connu en fait de pouvoir se cacher sous le lit, d'être vu par Johnny, mais personne n'avait pensé que ça pouvait faire gagner du temps effectivement. Ça c'était vraiment intéressant. Et là du coup, donc après avoir présenté ce run à la GDQ, 2014 aussi où tu étais, là tu vas faire je pense une petite pause. Je vais faire une petite pause, ouais, je vais passer à d'autres jeux, MGS2 probablement. Ah, on reste quand même dans MGS, je note qu'on reste dans MGS. Exact. Ok, bah écoute, on souhaite vous avez pas mal de courage à MGS2 parce que là aussi je crois qu'il y a pas mal de choses. Merci. Ouais. En tout cas, encore pas mal d'applaudissements pour Slade, pour ce run quand même en extrême. Merci. C'est vraiment merci. Cool. Puis ça fait, c'est vrai que c'est plaisir, ça fait vraiment un grand plaisir d'avoir un joueur comme ça qui a les meilleurs temps, qui fait un run en live. Et qui est français. La France. Ouais.
Mais c'est vrai qu'en plus sur les MGS de manière générale, la France est bien placée. Sur MGS 3, il y avait Snake Eater 1-3-2 qui était pas mal, même si Carré maintenant a mis encore un petit coup derrière sur MGS 3. Mais c'est vrai que ouais. Et Bonobo demain quoi. Et demain Bonobo sera là pour couronner MGS 4. Hein. Ouais, ça va être aussi du grand n'importe quoi. Et ça va être du lourd. Ça va être du très lourd, je vous invite à suivre ça. C'est quoi à partir de minuit et demi? Non, c'est combien? Plutôt minuit? Un peu. Minuit et demi. Pour le run sera commenté par toi justement. Et Bob Lennon, je crois, si je ne fais pas de bêtises. On est partout aux toilettes. Joli. Alors du coup là le temps ça va être quoi, une nuit? Non? Je sais pas, j'ai regardé. 8-9 plutôt? D'accord. 8 ou 8-9, oui. Ouais, attends, on va quand même attendre le temps parce qu'on a le temps. T'auras juste une input à passer pour une cinématique quand on aura marqué Kojima partout. C'est le petit moment auto-masturbation pour Kojima. Et là, du coup, tu dois l'appuyer sur le bouton 3. Oui, du coup, tu peux nous expliquer, on a un petit peu de temps là. Comment t'as justement. Parce que tu faisais quoi pour découvrir quand même par accident Weapon Beach? Parce que quand même, faut le faire du tout par accident. Ah oui, c'est vrai, il faut avancer. En fait, to the light. On cherchait une beach dans la tour B. Ouais. Et donc, on avait remarqué que quand on se faisait toucher, qu'on utilisait une ration, quand on était couché, en passant vers la première personne, il y avait un angle bizarre. On se disait peut-être que ça pourrait nous faire glitcher quelque part à travers un mur ou une boîte, quelque chose. Et en fait, par hasard, j'ai trouvé. Enfin, je me suis retrouvé à vouloir me suicider en fait. Donc, j'avais deux grenades et j'ai fait trois fois l'animation de la grenade, c'est bien très bizarre. Et j'ai ensuite équipé le Stinger pour me suicider plus vite. Et là, j'ai pu courir avec le Stinger. Donc, c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelque chose de bizarre. Il va falloir appuyer, c'est un petit peu avant, ça va pas tarder. Ouais, c'est assez, des fois, les anecdotes découvertes de glitch et de bugs, c'est assez marrant. Toutes ces idées qui ont fleuri vont se dire ah tiens, on peut sortir ici, après ah on peut peut-être utiliser ça là, et au final réussir à complètement casser le jeu. Voilà, là on va attendre, donc là on a encore un petit dialogue et on aura automatiquement le score. The entire unit was wiped out. Those two are still alive. The Vector? Yes sir. Fox dies should become activated soon. Et des dialogues qu'on finit par connaître par cœur à force de faire le jeu. En même temps, l'avantage, c'est qu'on a la voix de. Enfin, quand on entend Snake, on a la voix de Victor. De Kiefer Sutherland. Ah, tu parlais de la version FR. Je croyais que tu parlais de la nouvelle version en fait. Ah, Kiefer Sutherland, ça le fait. Mr. President. À suivre. Allez, on va voir le temps. On pourra donc faire rater le chrono au score. Mon score va apparaître. Ça va pas plus correspondre au temps. Il y aura un léger décalage qui va correspondre au changement de CD. À une 9. Allez, on était pas loin quand même. Allez, on peut applaudir Slade. Donc deux continues, une sauvegarde. Sinon, voilà, tout le reste. Donc là, ce qui gêne pour pas avoir le meilleur rang, bah, c'est les deux continues. Que 4 alertes, c'est bon. 13 ennemis tués, c'est largement bon. Une ration utilisée, parfait. Je crois que la save n'a pas d'incidence, t'as le droit. C'est ça, hein? Non, on a le droit. Ouais, parce que c'est pas marqué dans les conditions, mais je sais que si tu save, ça dérange pas une fois, au moins ça marche. Je sais que. Enfin, certaines personnes disent 40 et certaines personnes disent 80. Je sais que 40, c'est pas vrai parce que j'ai vu des rangs big boss avec 45 save. Ok. Mais. Peut-être 80, mais je sais pas si c'est possible de faire 80 save dans le jeu en fait. Ah, du coup, je me. Ah non, si c'est juste des saves, ouais, non, ça va être bon. Ouais. Parce que je me dis toujours, après, c'est pour le rat, mais c'est plutôt les alarmes qui vont conditionner le fait que t'as pas la clé sur le rat plutôt que les saves. Je pense, ouais. Normalement, bah, c'est ce qui est marqué en guide officiel. Ils disent que si, voilà, si t'as joué comme une quiche, bah, du coup, la clé est forcément dans l'eau, apparemment. Bon, bah, écoute, merci à toi. Merci à vous, merci à tout le monde. C'était cool, c'était bien cool d'avoir un petit run de MGS pour finir cette première journée. Allez, encore, tenez un applaudissement pour Slade. Je vous invite bien sûr à le suivre sur sa chaîne Twitch MG Slade. Ouais, c'est fini, donc on va parler un petit peu du programme de demain. Prends le micro de Slade si tu veux dire des choses. Ouais, bien sûr. Bah écoute, merci beaucoup Slade et merci à vous d'avoir regardé cette journée pour ceux qui ont squatté le stand toute la journée. Plutôt bien passé, on a fini dans les temps.
Ce n'est que l'échauffement, comme le disait VG.